la album jusqu'au bout montre. Ne nous pas perdre vos bouches là. Tout le jeune nous l'auté sous ça. Même ça qui t'est sous bec touche là. Tout le fois ma chatte a serré. Fais la pas changer ta tuche là. Je vais dire mes bonnes messieurs. Les bouches sous ça je pas faire boum. Ça te dit les bouches à sa maladie. Niveau de nous faire une envie bichu. Avec album dans le mondial, y'a pas de game trop fort. Kounia son seul bagay n'a fait, son micro d'or. Pas de dispute, pas le marais parce qu'il est toujours devant. Ça me met un deck qui spam dans mon game bon avant. Isolant un point d'attaque là, la forêt nous. Depuis si campé derrière, la bouffée nous. Flèche 1, flèche 2, nous tout pouillons. Qui pique la main d'enragé, nous met tout l'eau. Mesdames et messieurs, pas de suivre émission par an qui c'est Vision Sport Magazine avec Zimpa ou le foot British à l'antenne. Nous saluons toutes les amis, toutes les fatigues qui suivent nous de près ou de loin. Nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace là qui c'est Vision Sport Magazine. Nous demandons pour toutes les amis capables d'aller sur ou le foot British là et pour nous capables de suivre. Émission, hein? Puisque là nous avons un petit problème technique, nous avons géré sous page télévision Saint-Louis Nord TV hein, là, et côté au capable aller sur Wilfried Boutissant, au capable partager émission, au capable inviter des amis pour capable suivre émission si là qui c'est Vision Sport Magazine. Nous salut tous les amis, tous fatigués vraiment qui a sinon de près ou de loin, nous content pour nous retrouver nous dans l'espace là. Et Greg, nous saluons pour les pas, mais nous saluons Clifford, Darius, PDG Panon, Fosnago, Ingénieur Panon, Ingénieur Normal là. Nous saluons un grand Jean et Pablo Wassive, émission par un, qui fait Vision Sport Magazine sur Saint-Lunard TV. Et puis donc, nous à travers RVMH, Radio Voix, Messie Hippolyte, Radio Modèle de Edzette Toussaint Navaléen, dans la Coupe Brooklyn, Queens, Long Island, Radio Télénago de Fosnago, Haïti, Best Radio, de l'ingénieur d'Agisson Pierre et puis donc RVM en quelque sorte RVC de Pierre Richard et Jacques et du côté poterie précision FM de Jackson près de Saint et à Saint-Louis-du-Nord Lacaino Radio Réflexion Inter 93 préfet de directeur Nemchirut et directeur Louben Joseph. Nous sommes tous les hommes tous fatigués vraiment captifs non de près ou de loin. N'a pas oublié saler caméraman panou, hein, Fouin Jean-Claude, nous salons, bon les pam, Teddy Mix, nous salons, bon les pam, pas de problème, et tous les amis, vraiment, tous fatigués, qui assument nous de près ou de loin, Teddy Mix, en forme, bon les pam, et tous les amis, tous fatigués, vraiment, qui assument nous de près ou de loin, nous tous salons, puisque c'est émission par un, qui vient de nous, qui c'est Vision Sport Magazine, avec Zimpa ou le foot British, à l'antenne. J'ai que nous t'ai annoncé, là, dans Titio, mesdames et messieurs, si tout nous a pas loué là, ça y concerne le championnat national de la première division, côté, et nous parlons avec les 16 équipes, yo, et puis donc, nous avons là pour nous, de la sélection haïtienne de football, et puisque là, et rencontre qui gagne pour jouer 24 mars à lui-même dans le stade Silvio Cator, et Haïti qui bat, côté rencontre ça lui-même. Kounkakaf qui écrit en fédération eux-mêmes, pour même pour capable chercher de l'autre pays pour rencontrer lui-même, vraiment capable d'arriver jouer et puis c'est juste situation lui-même lié dans le pays d'Haïti. J'ai qu'un de là et nous parlons là pour nous aider la NBA puisque on s'agit là lui-même vraiment qui parle pour fête Astrala, Team LeBron et Team Gianni Antetokounmpo, grec là lui-même et puis dans la Ligue des Champions après tout résultat qui te fait et puis donc match à venir là et si tu n'as pas gagné là équipe FC Barcelone qui a gagné pour jouer avec l'équipe Lyon n'a pas pour nous ça et puis donc n'a pas pour nous faire la ronde de stade et surtout Antoine Griezmann monsieur lui-même vraiment là c'est ce qui a mis habiter équipe AT Madrid là et puis donc nous avons Oulian et ancien entraîneur équipe Real Madrid là monsieur lui-même vraiment là les regretter de ce que vraiment là équipe Real là lui-même tu veux aller très tôt, côté mais c'est pas bien temps arrivé imposé j'ai là en quelque sorte n'a rien pour nous retourner tout ça oh. Et puis donc non et ça c'est tout n'a pas gagné là Dichen Joseph depuis Boston monsieur lui-même vraiment qui a bel et bien présent ensemble avec nous et puis donc n'a rien là pour nous retrouver l'autre panéliste nous vraiment non espace là qui fait donc Vision Sport Magazine Emmanuel Bernard
et de la radio Omani du côté de Atlanta. Nous allons voir les palmes. Nous avons Biggins qui belle et bien posé avec nous là. Et Terras, nous allons, mon ami. Bon, mesdames et messieurs, très rapidement, j'ai gagné de l'an et tous les amis là, nous sommes capables de connecter sur Real Foot Boutique là, puisque nous avons un petit problème technique avec website. C'est le Ludo TV à lui-même en quelque sorte et nous avons travaillé sur des updates en quelque sorte, n'a rien et on capable de profiter et garder émission sur le foot boutique à lui-même vraiment sans problème. Bon, et je viens de dire là, mesdames et messieurs, championnat national de la première division et surtout nous gagnons là championnat ça lui-même, c'est à partir de 23-24 février qui va venir là. Et côté messieurs fédération là vraiment là yo annoncé pour championnat ça les mêmes capable jouer mais nous pas gain là pour nous retendre pour nous connaître vraiment est-ce que vraiment et Isonel Boamelis en forme nèg la caille vient pas nous là et Alexandra Venet Louis Saint et Pasteur CS nous saluons nous toutes. Merci bien pour écouter nous. N'a pas été capable de continuer à partager live là. Invitez des amis pour capable suivre l'émission si là, puisque c'est émission pour émission que vous appréciez en pilant. J'ai gagné de l'an là, championnat national de la première division. Et surtout, nous avons déjà gagné 16 équipes là qui parlent là pour jouer dans la première division là. Et surtout, nous avons un gros palais qui t'a fait. Et surtout, on compte Racing Football Club d'Agonaïve et équipe. Valencia de Léogane et finalement messieurs fédération eux-mêmes ils font connaître que c'est équipe Valencia les mêmes qui va là pour jouer en deuxième division. Mesdames et messieurs, et nous parlons là pour aller dans la Coupe Boston pour aller recevoir Duchesne Zami Pam mon ami et nous comptons pour nous retrouver dans l'espace Vision Sport Magazine. Comment est mon ami Duchesne Joseph. Duchesne, est-ce que là, Duchesne? C'est ça, Duchesne, ou déjà sous bord là. Duchesne, essayez ou sous bord là, on va moduler en quelque sorte, au capable pick-up, Duchesne. Bon, et si Duchesne va pour là, et n'a pas fond l'autre essai, pas nous sous plusieurs chapeaux, et n'a profité ça, les amis Panon, Etienne Jean, Kendouna, et les amis Panon, et nous saluons. Et n'a pas des amis capables de continuer à partager l'émission, inviter des amis vraiment pour capable suivre l'émission. C'est là, Fidèle Antoine, depuis Nassau, Bahamas. Nous saluons mon ami. Et c'est ça. Et bon, j'ai rien de là, championnat national de la première division, mesdames et messieurs. Nous gagnons là pour série d'ouverture, les mêmes qui parlent là, pour ouvrir porte là, 23 février qui va venir là à partir de week-end prochain, mesdames et messieurs, si tout nous gagne là, 16 équipes là qui va gagner là pour évoluer au niveau de la première division. Nous gagne équipe Cavalli de Léogane, Don Bosco de Pétionville, gagne notamment oui, Duchesne, est-ce que là, Duchesne, est-ce que là, Duchesne? Bon, ça veut dire Duchesne a bon ratement là, c'est ça. Bon, et j'ai gagné de là, là Cavalli de Léogane, Don Bosco de Pétionville, Cosmopolite de Delmar, équipe Racing Club haïtien, Violette Athletic Club, et notamment America Decay, et America Decay lui-même qui va gagner là pour jouer donc. En première division, surtout saison dernière, il était descendu et puis donc il a monté très rapidement. Et nous parlons et là tout. Duchesne, est-ce que là, Duchesne? Duchesne, faut le pick-up numéro studio, Duchesne. Nous m'appelons là, Duchesne. L'autre numéro, Duchesne, qui est 954-903-0922. Et Duchesne, follow pick-up numéro ça, 954-903-0922. C'est numéro ça et numéro studio pour participer avec nous, bon, pas, nous ne pouvons pas répondre là. Et oui, c'est ça. Essayez, et pick-up Duchesne. Duchesne, pick-up, ouais, nous allons là, Duchesne. Essayez de faire
et transfert à Duchesne, nous essayons là. Bon, voilà. Et Duchesne, Zami Bam, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace Vidéo Sport Magazine. Vous avez fait un extrait là, bon, pas bien nous souplir, chapeau. Et Duchesne, comment est-ce, Zami? Comment vous êtes là? Bonsoir, Wilfried. Bonsoir, auditeur, auditrice, et téléspectateur. Et hier, je salue nous. Et nous en forme, effectivement, de son lever, température, qu'on est, les différents de Florida, mais je dis, elle pas trop mal, parce que ça, nous pensons, nous en 40 combien. Et puis, nous là, nous en forme, et nous, comme d'habitude, nous pensons que nous partons pour une très bonne émission, je veux dire. Ouais, ouais, c'est ça, et Dijen, nous content pour nous. Nous comptons vraiment là Jean-Gilles Valcourt, nous saluons mon ami Jean-Gilles Valcourt en forme et nous comptons du chaîne pour nous retrouver dans l'espace Vidéo Sport Magazine. J'ai qu'une annonce là et surtout nous parlons là championnat national de la première division, surtout et nouvelle saison les mêmes qui a annoncé en pile couler là, mais m'a demandé Jean-Cydia Sosa lui-même, il est là, et est-ce que vraiment là, championnat ça peut arriver, jouer, j'ai gagné Abdelan là, ou gagné là, équipe qui va gagner là pour jouer en première division là, si tout nous gagnons, équipe Cavalier de Léogane, Cavalier de Léogane lui-même qui va gagner là pour jouer dans en première division 1, Domosso de Pétionville, Cosmopolite, et Racing Club Haïtien, Racing Club Haïtien, c'est pour Haïtien qui est lié, sans problème. Et on est là, équipe Violette Athletic Club, après deux saisons là, ils ont passé dans la deuxième division là, et côté vraiment là, ils ont fait si face. Et Violette, ils ont même pas rien là pour évoluer en première division. Et América de Cali, et Tempête de Sema, et Bâtiment de Sema, et AKR FC. Fika di Cap Haïtien, ASC, Triomphe de Lyon, Triomphe Athletic Club, Racing Football Club d'Agonaïve, AS Mbalet, Wanamet, Real di Cap, c'est équipe Saola, Duchesne Joseph qui parle là pour jouer en première division pour saison. Qui parle venir là, Duchesne Joseph. Et ça qui là, nous perdons Duchesne là. Et Duchesne lui-même vraiment là, en quelque sorte, ma cité sinon là vraiment là dans la combustion qui fait que et vraiment là et communication lui-même n'est pas vraiment fiable. Jean qui nous t'a donné là. Duchesne, nous t'es pas du Duchesne, nous pas comme ça passé par contre là Duchesne. Oui, moi non, effectivement et. Semble donc zone là qui vraiment là signal la passion là. Hein? Là, moi en forme et on peut toujours continuer. Oui, j'ai une abdiola là, nous sommes les 16 équipes là qui parviennent là pour jouer en première division et surtout là, équipe Racing Football Club d'Agonaïve même vraiment là qui parviennent là pour évoluer en première division et surtout Valencia même qui parviennent là pour être dans la deuxième division. Johnny Football Passion, nous allons mon ami, oui, effectivement, Duchesne Joseph. Oui, et avant tout, moi voulais attirer l'attention que, à mon avis, et c'est vrai que tu as une planification qui était faite au préalable pour le championnat national là. Mais moi, je pensais que la situation politique et sociale et économique pays hein, est vraiment pas problème pour que nous pensions que nous pas capable et gagner un championnat national pour ce que avec les situations et politiques là et c'est seulement les raisons sociales avec les raisons économiques nous pensons que nous pensons que notre état de tirer la révérence et ensuite nous reporter championnat à une date ultérieure jusqu'à ce que le calme et l'amélioration ultérieure au niveau du milieu pour ce que qui va payer les tickets, qui pourra payer un ticket pour le match, et est-ce qu'il y a de sécurité, est-ce qu'à n'importe quel moment, côté bien fou, pas bien de manifestation, parce que c'est un pire sujet que les fédérations avec les
instance responsable en championnat national là, t'as penché sur lui parce que, à mon avis, c'est mon opinion, je pense que situation, climat et général pays, hein, ça propice et pour un championnat national pour pouvoir commencer avec date sur le pouvoir. Je pense que il est adoué avec une de façon raisonnable et on va dire raisonnable et rationnelle côté que il n'y a pas de reporter parce que économiquement parlant aussi et je pense que là un problème parce que il n'est pas même pour les politiques à n'importe moment qu'à gagner des manifestations spontanées à n'importe moment est-ce que pour la police a des possibilités pour la sécurité pendant la match. Et puis là, nous placer économique un peu. Est-ce que nous avons écouté que nous n'avons pas même qu'à manger? Est-ce que nous n'avons pas le cas lâcher un 4? C'est 200 ou 300 gouttes. Et lorsque, et comme ça, des cas, au moins, bah, manger, nous pensons que, et n'est pas possible, dans le moment ça, pour le championnat national à commencer, peut-être une possibilité de France de prendre. Et ensuite, même au niveau de population, et nous, comme nous t'ai dit là, off, et je te l'avais déjà dit que, et, à part que, Kapwayo, ASFK et peut-être Club Nord, m'ont dit que qui gagne des préparations qui fait sans camper, mais je pense que, et dans tous les clubs, moi, bien sûr que je n'ai pas besoin de citer Nord, qui seulement gagne un seul entraînement de visite. Le cas de Racing Club Haïtien, Racing Club Haïtien, c'est un seul entraînement Racing Club Haïtien qui a été fait, et nous avons tout Violette qui fait. Et qui fait plusieurs séances. Agnès, Agnès, nous saluons Agnès, Agnès, Youyout, en forme, en forme. Et donc, en forme qui a fait non l'éclat depuis la République Dominicaine, en forme, PDG et Z au sein de la radio modèle, dans la Côte d'Ivoire, nous tous allés. J'ai une table de là, Violette, vous-même, vous faites plusieurs séances d'entraînement, mais pour eux, c'est un club haïtien, nous croyons qu'ils sont seuls séances, Gressine, vous-même. Il est arrivé faire, bon, là qu'il y a un spectacle, et vraiment là, dans ces circonstances-là, et c'est nous vraiment un spectacle que nous tous avons vraiment là, et besoin là, et pour nous vraiment capable de sortir, puis aller dans le match, et surtout, par un match de pré-saison, c'est quelques matchs de pré-saison qui arrivent à jouer, mais qui va même quand on joue au match de pré-saison du Chêne Joseph. Oui, et effectivement, même au niveau de la performance, et nous pensons que les poils sont catastrophiques, et les poils sont pas vraiment catastrophiques, parce que, et, au niveau de la population, est-ce qu'on a un club qui fait une seule séance d'entraînement, et puis qui pourra jouer en championnat? C'est l'une des raisons aussi qui fait que nouveau championnat, nous allons arriver dans l'état ça. C'est que, et ça, que le championnat, nous allons arriver, c'est un tout, c'est tout un package, parce que, est-ce qu'un sponsor, je dis, hein, et qui qu'on a financé une équipe, et qui pas qu'à ouvrir porte, pour faire l'argent, est-ce que le pouvons investir dans un club, ça? Il y a plein de clubs qui vivent, et de entrer, de dépenses, et que des institutions n'ont rien côté au sorti, hein, parce que nous pas vraiment gagné des sponsors, nous traduit, et méga sponsors pour le club, et à part de, frais ou qu'on est que annuel que club recevoir de fédération et peut-être à l'époque le début Gisèle même le c'est un montant qui était très faible par rapport à l'argent que Gisèle était investi par exemple en trois voisins nous là qui n'a Caraïbes là et Trinidad et Tobago et la Jamaïque. Mm-hmm. Nous pensons que il est vraiment pour le très difficile. L'équipe qui est déjà en difficulté, déjà, c'est un casse-tête pour l'équipe de trouver moyen pour des financements, pour entraîner, pour des joueurs. Et l'équipe qui est fonctionner à l'image du pays, côté que, de même que les employés de l'État, côté que les gars fait 3 mois, pas touché. Des clubs qui comptent 3 mois, ils ne peuvent pas payer un joueur. Est-ce qu'il y a un magasin qui combat l'équipe en 20 000, en 50 000 bouts? Peut-être pour aider l'équipe là, et pour les 10 jours, les gars au moins, des ici pas ouvert. Et puis est-ce que lui-même ne peut pas dépenser comme lui et dans un club côté que lui-même n'est pas d'entrée. Et parfois, on a besoin de psychose peur. Est-ce que
et business client sont des business qui en sécurité, est-ce qu'il n'y a pas bien des casses, tout ça, c'est tout un problème parce que nous avons des problèmes déjà au niveau structurel pour le championnat. Et maintenant, nous avons des problèmes politiques qui sont là-dedans, qui vont affecter et qui peut économiquement parlant. Et nous pensons que, comme on peut dire que, vraiment, est-ce que tu ferais que peut-être fédération bail, ou bien est-ce que tu as vraiment des ressources économiques pour qu'il y ait. Et nous pensons que nous avons un market qui consolide un club, et puis le market là, parce que deux semaines n'est pas ouvert. Est-ce qu'on calme des gens pour avoir l'argent pour aller entraîner? Nous pensons que si on t'en a fait, c'est pas à nous. Mais nous pensons que la situation est vraiment. C'est ça. Et nous pouvons saluer le coach Moïse Élisée depuis Miami. Et nous avons des amis panon depuis Port-au-Prince Haïti, Mouna Kainon. Et top modèle nous, Ozi Makila, Soraya Joseph, qui est bel et bien connecté. Et Ozi, nous saluons et bonne écoute. Coach Moïse Élisée, nous saluons, mon ami. Et tous les amis là, tous fatigués, qui sont non, un peu partout, Aniel, Youyou, en forme, en forme. Et nous avons des amis qui sont capables de continuer à partager live là, inviter des amis pour capable suivre l'émission si là, puisque c'est émission panon, émission que nous apprécions plus là. Et vraiment là, c'est qui a vraiment là passé sous onde là maintenant. Mesdames et messieurs, bon, et en tout cas là, et Jean que vous sautez dit là, Jean que vous sautez dit là, et Duchesne, et situation lui-même est vraiment compliquée. Elle est de la fortune, nous saluons. Situation lui-même est vraiment compliquée. Duchesne Joseph, bon, et spectacle nous appartenant là, vraiment là. Nous sommes capables d'arriver jeûner là. Nous avons dit Duchesne Joseph depuis Boston lui-même qui est belle et bien connecté, qui est ensemble avec nous là. Mais nous avons dit monsieur, ce n'est là lui-même est vraiment compliqué pour Duchesne Joseph. En tous les cas, et, bon, c'est 16 équipes là qui pourra aller pour entamer la première division contre mes Élysées. Vraiment là. Et côté nous allons rebailler 16 équipes ça là. Si tout nous gagnons équipe. Équipe Cavalli de Léogane, qui belle et bien présente dans l'histoire, Domboso de Pétionville, Cosmopolite, Cosmopolite Racing Club haïtien, notamment Violette Athletic Club, America de Kai, Tempête de Sema, Bâtiment de Sema, nous avons la équipe Akaya lui-même. Qui belle et bien présent, c'est tout Akaya même qui te fait une belle saison. Et équipe Akaya lui-même vraiment là, et équipe ça, et yote sous route là, peut-être arrivé champion, mais équipe Domboswa lui-même vraiment là, t'es détourné revue là, et c'est tout avec son, avec Kenel Thomas qui te fait un travail impeccable, et puis donc, l'expérimenté Garimon lui-même vraiment là, qui te en bagage équipe Akaya FCA lui-même, côté équipe Akaya lui-même vraiment qui te fait. Yon bakou qui était tout à fait intéressant pour Fika yon même. Fika yon même qui pral gen là pour yon même entrer dans la bataille là. Surtout Fika lui même qui était raté et saison là. Équipe Fika et surtout Ria Dikap qui était arrivé battre équipe ça. Et bon, Fika yon même et surtout Fika qui m'a dit plusieurs joueurs là qui quittent l'équipe là. Surtout gen Stanley Bossizi Thibault. Qui était déjà quitté l'équipe là, et puis donc un capitaine là lui-même, qui c'est donc Wilgen Aristide lui-même, qui quittait l'équipe Fika. Fika qui a pas le besoin pour renforcer, mais qui monde qui était là pour Fika à renforcer là, c'est la grande question que nous sommes capables de poser. Gagner équipe ASA lui-même, ASA lui-même qui était raté occasion là pour être arrivé qualifié pour playoff, équipe ça lui-même, c'est pas Antoine Sadio lui-même, puis c'est Antoine Sadio lui-même, t'es jeune évocation lui, et c'est Oudi Joseph, qui s'est entraîné équipe ASC1, qui s'est entraîné équipe ASC1, qui parle gagner là, pour diriger équipe ça, et surtout ASC lui-même, il gagne la plusieurs essayances devant là, surtout il gagne Ligue des Champions de la CONCACAF, pour équipe ASC1. Et puis nous avons une équipe triomphant, même triomphe lui-même après 7 ans, lui-même qui était passé en voilà. Et nous, depuis
nous depuis Gonaïve côté nous balgué pour nous recevoir maître Raoul Achille qui parle là pour dire nous comment Gonaïve Raoul Achille zami pan nous content et ou toujours disponible Raoul Achille vraiment là son soldat qui est vraiment là et maître Raoul Achille nous content pour nous retrouver à l'espace de Vision Sport Magazine. Maître Achille, comment est-ce mon ami? Et nous saluons Boutis, Wilfried Boutis, son grand garçon, grand haïtien, un vrai patriote, cause pays a, et même, cause pays a vraiment, et, vu sous. Nous saluons auditeurs, auditrices, Vision Sport, son plaisir, pour notre émission, et notre forum, non, je dis, et pour nous parler de pays, nous, de l'activité dans la caille. Ouais, c'est ça. Et Raoul Achille, dis-nous comment, comment Gonaïve levé pour journée jeudi à la faire le calme plat ou bien toujours un petit mouvement qui a fait? Bon, je dis à c'est dimanche. Comme à l'ordinaire, Gonaïve, jeudi dimanche, c'est un jour qui offre, on est même dit offre là par rapport avec l'intimidation, manifestation. Mm-hmm. Et c'est hier, je l'attends l'évolution, et bien encore, c'est bon message qui bat jusqu'à 3h, jeudi à Otebaï. Public là pour population qui a occupation et du matin à moment de parler là vu l'entrée calme seulement hier soir dans des chaos on parti dans des chaos divisant des parties gain ou des chaos gain bas des chaos ou des chaos très calme très propre bas des chaos d'un seul coup tout un mouvement qui fait en samedi à par rapport frustration les messieurs dans bas des chaos reprocher autorité qui t'a voué qui t'a mouné monsieur Odekao et puis même Badawa pour pas joindre l'argent par eux c'est ça kay. Mais je dis là tout bagaille normal dimanche qui 17 février venant très calme zami bam. Oh oui, c'est ça, nous bien content puis cela depuis vu le mouvement là ça là-bas handicapé vraiment là-bas paralysé en quelque sorte toute activité qui t'a doué prend dans un an. Mais concernant de et football interscolaire là et toute bagaille était campé mais qu'il est nous prévoir yo capable répondre parce que nous connaît c'est au même dans la cour Gonaïve qui responsable ça. Oui, monsieur consultant en communication du département. Mm-hmm. Et département en direction de l'attentat de la Tibonite du ministère de la jeunesse des sports et l'action civique. Bon, on est juste scolaire, c'est des entités des branches de l'État qui organise le ministère des Sports, c'est acteur principal qui organise jusqu'au l'air. Mais le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère du partenariat, puisque c'est avec l'école qu'on a enregistré. On a appelé que football, loi football, et comment, pour qu'il y ait formé, pour qu'il y ait un habit, pour qu'il y ait un calendrier, pour qu'il y ait un protocole. Mais, élément, qu'on a dans le championnat, c'est sous tutelle du ministère des Sports. C'est sous tutelle du ministère de la Jeunesse, c'est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour jeux scolaires. Pour nous parler de jeux scolaires, faut gagner l'école, faut que l'école activité scolaire reprenne droit. Et non, on a parlé là, c'est une garde de mélange à l'école à reprendre droit. Bon, nous trop faibles, voire trop petits. Pour un tel engagement et autorité en place, directeur départemental et de l'éducation nationale, de la Tibonite, ministre éducation, Pierre-José Arino Kader, directeur départemental là, de la Tibonite, directeur école Renoir, directeur départemental ministère des Sports là, de la Tibonite, qui c'est ingénieur de la logique. Il y en a un par précision, il était bouche bée, c'est pas nous-mêmes, pour que tu parles des jeux scolaires. Pour le football 6 et l'activité scolaire qui paralysé, il y a des retombées directes sur les jeux scolaires, championnat interscolaire, football, dans le système d'indépendance, dans le département en soi. Ouais, c'est ça. En tous les cas, là, et puis il y a un jeu scolaire là, qui est tout à fait intéressant, puis c'est aucun bégénio. En mouvement, ça permet d'épanouir là et pour ne pas être maintenant dans un cas qui n'est pas bon, Raoul Achille. Oui, le Valentin Delec en juvénile, il a dit non à la drogue, non à la violence, c'est une activité saine, très saine, et en plus, nous connaissons l'histoire pays en matière de football, il y a juste que le grand paradigme.
on prend un plus grand événement à travers le monde et Haïti participe en football, c'était la Coupe du Monde de 1974. Mm-hmm. Eh bien, je vais ça haut. Depuis en 68-70, ils avaient dans les scolaires ensemble, les Manu Salon, les Philippe Bob, les France Tillon, mm-hmm. les René Piquant, mm-hmm. les Pilao, Arsène Auguste, les Pilao, et les Pierre Bayonne, tout ce qui est ça aussi. Nous sommes dans les scolaires pour du sort sous une interclasse, une domaine interscolaire, une domaine dans un championnat jeune. Et on a fait Coupe Radel et Sélection Nationale Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Oui, c'est ça, parce que là, et après, j'avais jusqu'au là, voilà, vraiment là, j'ai un pile jeune, vraiment là, je suis signalé, il est là, et vraiment là, et depuis, jusqu'au là, il y a même des talents cachés, vraiment là, côté, et calentaché, ça, on va pas calentaché encore, il n'y a pas de talent retrouvable, coach Raoul Achille. Oui, jusqu'au là, et c'est un mariage du sport et de l'éducation. Mmh. Et le sport lui permet de développer sur le plan physique, sur le plan athlétique, sur le plan psychique, sur le plan mental, mais l'éducation en lui-même, et qui c'est meilleure âme pour un seul monde réussi, pour un monde réussi, c'est l'éducation. C'est l'âme, d'après Nelson Mandela. L'éducation, c'est l'âme la plus puissante à travers le monde. Mmh, mmh. C'est, ok, c'est très bien. Bon, et on entre avec avec information ça, et surtout nous gagnons la championnat national de la première division, et nous sommes à tous les spectateurs, auditeurs, auditrices là, et nous sommes permettre ouais qui équipe vraiment là. Et qui parle belle et bien présent pour saison qui parle bien pour commencer, qui annonce pour 23 février là. Et si nous avons 16 équipes là, mais avant que nous allions dans 16 équipes là, et toute discussion qui était entre Valence et Léogane, ensemble avec le Football Club d'Agouenaïve, vraiment là. Et finalement, et monsieur Fédération là, ensemble avec la Coach Afop, et ils venu avec conclusion, hein, côté Valence et même qui parle bien là, priorité. Et non, pour y retomber dans la deuxième division, côté à relâcher. Bon, souvent ça, c'est bon, confirmation, mais pourquoi on arrive? Les personnes à viser, les observateurs à viser, pas attendre à l'autre décision, ça, parce que, et tu dis ça pour tout bout de suite. Mm-hmm. Dans le film, sportif, technicien, journaliste, entraîneur, mm-hmm. et joueur, il y a même qui fait, ouais, côté. Yo résumé ça te gagnant entre Racing de Gonaï et Valencia. Racing de Gonaï pas dans dilemme, pas dans litige à Valencia. Depuis le 2 décembre, c'est le 2 décembre, c'est le match à Léogane, c'est celle de ça Racing de non dilemme à Valencia qui match a pas joué tout pour connait dans quelles conditions match a pas joué. Après ça, Racing pas dans dilemme à Valencia. C'est quoi ça fort. Valencia qui gon bra faire. Parce que Koucha Fop programme Valencia pour la jouer, il va jouer. Koucha Fop a une décision, Valencia va obtempérer. Racing de pour rien, Racing pas dans pièce d'altération par la suite avec Valencia. Mm-hmm. Décision de ceci, c'est Fédération, dans liste équipe Liba hier samedi, c'est confirmé ou bien maintenu décision Koucha Fop et ceci de pour 13 décembre. Côté Koucha Fop Tézi, Racing du programme match Racing Valencia a réjoui son terrain net à huis clos. Dans ça, c'est le cas. Racing de Valencia va aller. Qu'on a Racing pour rien à Valencia encore. C'est Koucha Fop qui a cause avec Valencia. Et puis, deux jours plus tard, soit le 17 décembre, quatre jours plus tard, Koucha Fop prend décision. Côté le bail Racing, il y a un match à 3-0 par forfait. Depuis le ça, Racing de ces Racing classé. Et pour tout Koucha Fop, ou même Boutus qui suivent la compétition nationale, à 6-4 tirés de notre protocole, a dit, à 3 journées de la fin de la compétition, les décisions de la Coupe d'Afrique sont sans appel, sont définitives et sans appel. Donc, 3 journées, on a 15 journées, depuis le 12e, depuis le 13e, 14e, 15e, 3 journées, ça a
coach a propre décider à l'écouter dans le béton, on va y a monde qui va attaquer, décision ça est inattaquable. Mm-hmm. Les décisions de la coach a propre sont inattaquables à 3 journées de la fin de la compétition. Nous même nous pas dit loi bon non mais on était voté par le bill appliqué, il est obligé d'appliquer. Moi-même nous même en pour toute lucidité nous sont en forme de dictature. Mais même si dictature le foot, mais collègue était d'accord, mais décision aussi une Valencia. C'est dans 15e journée. Quand ça faut décider de signer match à 3-0 par forfait. Décision ça est inattaquable. Décision salée sans appel, malgré que Zine Valencia en même temps pour tes dossiers devant la commission de discipline. Non. La commission de discipline, non. Vous êtes au courant que la décision le prend. Il est incompétent. Il dit encore pour Valencia payer 10 000 gouttes. Troisième magali bon pour Valencia. La commission de discipline dit il doit attendre. Une instance doit entendre et la doléance de Valencia. Mais il va dire qu'il y a une instance. Non, il va dire qu'il y a une instance. Il va dire qu'il si tu es couché à propre, si tu es FHF, si tu es commission recours. Il va dire qu'il y a une commission. Mm-hmm. Dans quel niveau il est présenté Valencia. Mais bon, M. Valencia, au même moment, il a fait droit, il a allé plus haut, puisque Haïti n'a pas vivre en vase clos, Haïti n'a pas vivre en singleton. Nous, dans le compte CACAF, Haïti dans FIFA, et nous connaissons, et même à travers la FIFA, mm-hmm. il y a le TAS. Le yeah. tribunal arbitral tribunal arbitral du sport. Mm-hmm. Du sport. Mais, et Valencia, on a dit même décision ça là. Côté hier, Fédération confirme les 16 équipes. Ils ont confirmé décision que j'ai fait là. Et c'est Fédération, hein, que j'ai fait ça, on ne sait bien. Fédération, mais c'est quoi j'ai fait, on va passer une élection, non? Mais c'est quoi j'ai fait, yo? Yo, même c'est, ouais, nous, ouais, là, oui. C'est Fédération, hein, parce que qui vient de l'élection club, yo, qui vote. Mais, regardez là, et la première salle à cause de Pagnon, Louben Joseph, Louben Timothée, et cause de Pagnon depuis Atlanta, officier Pagnon, nous salons officier, en forme cause. Bon, et là, regardez là tout, commission, cochon pour là tout, c'est une photo qu'on vit qui est liée, mettre à vous la chaîne. Bon, m'pap di photocopie, m'pap di la cochon pour découle de la Fédération Haïtienne de Football. La COSAFOB découle de la Fédération Haïtienne de Football. Elle dit, debout, organise une grande fédération, hein, lui-même qui gagne deux communes, deux côtés qui dirigent la fédération, c'est Léogane à Saint-Marc, oui. Mm-hmm. C'est Léogane à Saint-Marc qui dirige la fédération, hein, mais Léogane à Saint-Marc tout qui dirige la COSAFOB. Mm-hmm. Mais on y a, nous-mêmes là, ou même qui ont un bel média ou super international, faut essayer, ouais. Pour demander qu'on y a COSAFOB, de bon vie sous lui, de bon projecteur braqué sur COSAFOB. On est censé tout le pouvoir ça. Mais Raoul, ça que nous capable de dire, et n'a pas fait ça, si Casimir, en forme, amis par nous, ça que nous capable de dire, Raoul, au lieu que messieurs mettent en commission, nous croyons que légal est même l'étape plus intéressante à mettre Raoul à chier. Mais vous avez nous, hein. Kit de ligue, kit de commission. Même nous, ça, t'as de marches, t'as de gon escalier, t'as de gon côté au passé, puis arrivé là. Yo, y'a ce météo. Et c'est ça, même mal qu'on bat de rentrer dans sa m'de dire là, c'est ça, fait que. Mais y'a pas mettre d'ailleurs là. Oui, mais c'est fait de la sorte météo, à qui m'dou. M'a pas dit photocopie, y'a m'a dit, et la couche à robe de cool. Ok. Là, elle fâche. Mais nous, t'as bon moment, moi-même, n'en gon naïve. Ou même bien les médias ça pour nous poser problème mieux en profondeur pour nous essayer ouais combien de monde COSAFOB y en donne enquête par me fait monner il y a deux majors jaunes dans COSAFOB c'est varié nos saint fleurs qui c'est Maximac oui, le président avec Iken Lafleur qui est directeur des compétitions de Maximac oui et tout next à aucun club oui là oui Baltimore. Est-ce que tu as dit et, pendant que nous là encore, c'est après la suite, FM connaît Adelph qui est là-dedans, la FM connaît Amboise là-dedans. Ah, Jacques Amboise, bon. Oui. Jacques Amboise, là. Non, Jacob. On a un dame qui a 4 mounsa là-dedans. Bon, 4 mounsa, pour 8 terrains, chaque week-end, a décidé sur 8 terrains. Il y a 16 équipes.
a gagné 8 matchs chaque week-end. Par contre, on se voit à la non Boutis. A gagné 8 matchs, 8 terrains, match Eurogan, match au Cap, match Saint-Marc, match Bonaï, match Port-au-Prince. On a 4 mecs dans le bureau. Donc, Bureau Port-au-Prince a décidé, son l'air, lui, au moment-là, pour nous poser problème là en profondeur, pour qu'on ait un couche à FOP, pour nous venir un couche à FOP, soit en élection, soit présenter biographie Mounan, je pense que Mounan, Canva Mounan, parcours Mounan, soit présenter le bail pour nous connaître qui Mounan, Nous connaissons le football là en Haïti. Et qui brise les yeux, c'est vraiment un mauvais comportement. Ouais, monsieur Kembe, et Chebona Gondel fini, commencé, et Gondel fini. Et Chebona encore, elle est déroulée, il y a une équipe champion, même si tout fait bail. Mais, ça n'est pas du tout, il y a problème avec Fé Chebona ou Mettez à vous la chaîne. Oui, ça dépend de. Ça a demandé. On travaille civique pour faire tout bon côté comme bio. Parce que l'équipe à domicile, Boutis, la caille, on combat en bourreau, début la caille, il faut battre. J'en passe le passé, JPP. Quelle est la force, j'ai pression, quelle est l'attaque, quelle est l'agression, l'utiliser, vous voulez gagner à tout prix, là, la caille. Monsieur Kembe, ou il y a plus de barres, il y a l'INAF avant, l'INAF vient transporter, l'INAF avec Paul Emile Adrien. Il a vu transporter avec Coucon, songez le fameux Serge Gilles Audat dans Coucon. On est à Coucon, transformé, on est lui-même en couche à pop. Et couche à pop, il y a 10 ans, 2 à 3 ans, on a souhaité le fond 10 ans, 15 ans, parce que l'INAF, c'est l'INAF. Dans tout le sens, l'INAF qui fait plus de temps, l'INAF fait plus que 10 ans. Et Coucon, après 3 ans, comment on fait d'exister l'INAF chez Bouna? Mais, là, Mathieu. Oui, moi, la boutique. Oui, et comment va-t-il? Non, mais, n'ayez pas vraiment, en quelque sorte, il faut qu'il y ait un cas qui non. Et non, tant que nous avons changé, non. Et nous croyons que, pour nous aller de ce monde, et si nous connaissons le football, la fête, ça, c'est un sport. Mais il faut que nous soyons capables vraiment, et en quelque sorte, il faut que nous soyons capables consistants. Nous pas vraiment consistants dans ça qui a fait. Non, et entre les cas, saison qui pourra aller. Comment c'est là? Est-ce que c'est ça vraiment commencé le 23 là, Mette Aouachil? Bon, le map contrôlé, responsable en filigrane, quel que soit FHF, quel que soit Kouchafop, il y a un jeu entre qui sorti à faire là. Et semaine dernière, il y a 20 équipes. Oh! Fédération, notamment président, la Gonote, 16 équipes, 23 février. Bon boule, qui te boule là où lui. 8 jours plus tard, soirée samedi, il a gagné le temps encore. 16 équipes, je suis dans la salle de division, et puis il y a nous. Mais pour qui ça tout? Il y a 16 équipes là, pour qui ça? Pour qui ça que calendrier lui-même? Pourquoi sortir? Est-ce que M. Aptan, non, mais tu as fait maintenant pour le calendrier? Il a venu à voler, oui. Il y a même. PAP, La FIFA est là jusqu'à fin février pour choisir un terrain.
Oui, 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 et nous avons annoncé ça dans le titre là, et match ça lui-même, qui va capable jouer en Haïti là. Parce que le président fédération avec le secrétaire général là, Calomassin, et Calomassin, c'est hier, il est entré dans le pays de la Turquie. Il est dans le pays de la Turquie. Oui, deux jours, on bleu corps dans la FIFA. Il est allé, mais la CONCACAF et la FIFA, Bayo, mois février là, puis capable de choisir qui terrain. Bon, tout le monde qui est dans Miami, là, bien, non, on joue pas. Un peu de monde qui analyse, c'est en 2003, les problèmes à Recibio, le mot à Recibio, le grand monde à GNB, c'est Miami. Et, après, et 2003-2004. Oui, 2004. Et nous avons là, regretté mémoire, et Fernando Clavio. Clavio, qui sont américains, et monsieur qui est entraîneur, et sélection de ça, eh bien, même bagarre là pour bêter. Et en Haïti, année au semblé. Et 1904, il a fait bagarre. Et occupation américaine, il a pris le président Vilbrun Guillaume Sam, il a pris la rue, le président Bagarre, instabilité, Michel Aurès, Aurès Zamor, David Mathéodore, quatre présidents qui étaient condamnés, qui étaient en prison, qui étaient prisonniers. Et il y a eu le président Ren Bagren, et encore où est là, les mêmes, les années se suivent. Et puis les réalités sont les mêmes. Et les années se ressemblent. Bon, c'est comme ça va l'avenir. Et pour nous en Haïti, mais ces mêmes gens-là, 2003-2004, Haïti, pas de cas en Haïti, c'est une scène ingouvernable, un territoire non gouverné, un territoire instable. Mais en 2019, là encore, c'est même apparemment, côté de la FIFA, et la CONCACAF, mandé fédération, hein, match 4 le 24 mars là, entre Haïti et Cuba, yo ba Haïti jusqu'à 28 février pour choisir sur qui terrain pour en Haïti pour jouer match ça. C'est grave. Je vais pas en Haïti, aux États-Unis quand même. Et me souviens qu'en 2003-2004 là, nous étions dans match ça, et dans Orange Bowl là, vraiment là, c'était un match qui était tout à fait intéressant. Mais vraiment là, il a fait nous habiller, Raoul. Ah, mais bah, là, bah, le côté encore, ça a fait Guillaume Philippe en sélection, t'as fait goal, ainsi de suite. Nous demandons comment, en Haïti, la politique qui prime, c'est la politique qui prime. La politique prime sur le social, la politique prime sur l'économie, la politique prime sur le sport, et ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, la politique prime sur le football, que nous sommes en train de parler, de dialoguer, de comprendre ensemble à travers notre pays et Brussis. Oui, les n'a gardé là tout, M. Raoul, les problèmes politiques là, et les n'a gardé ce sens pour moi. Et nous gardé la musique, bon, j'ai la musique là, et là, bon, bah, vraiment là, mettez ça et trois divisions, et puis donc pas constitué en quelque sorte. C'est ce football là, nous sommes capables de penser, qui est capable de mettre nous au sommet. Mais tout ça qui a fait dans le pays là, la vraiment là, et Berlin, César, non, c'est allô Berlin César, en forme. Oui, et Jean qui a fait là, et qui a fait dans le pays là, ce problème politique, la vraiment agi sous ce sport. Et là, on a regardé rencontre que Haïti a joué avec Kiba, son rencontre capitale qui est liée en cas de victoire. Haïti n'est même qui a monté dans la Ligue 1, mais tu as où la chine? Oui. Et non seulement ça, c'est important. Le sport est un domaine, est un phénomène transversal. Le sport englobe et engendre tout. Avec un sportif, vitesse qui prend là à travers le monde, comme plus populaire que le président du pays, côté lié à là. Ouais, on a l'Argentine là, nous ne parlons pas président de l'Argentine, non? Mais tout le monde connaît Messi, qui connaît le madame Messi. Comme petit Messi gagnant, idem pour le Brésil. Hein? Nous ignorons totalement nos présidents brésiliens. Qui ça le fait? Qui est-ce madame ni? Comme petit gagnant. Tandis que Neymar, ouais, nous comptons tout bagarre, on sait tout sur Neymar. De même pour le Portugal. Au Portugal, il y a un président. Mais l'haïtien connaît Cristiano Ronaldo, son nombre d'enfants de Cristiano Ronaldo, sa mère, son salaire, ainsi de suite. Eh bien, dans ce sens-là, pour me démontrer que le football est tellement transversal, d'un côté, nous ne pouvons même espérer, pas même attendre qu'il arrive. Le football-là lui-même n'est pas une religion,
il pas gagné état d'âme, on n'est pas dans la couleur, pas dans la race, par contre on a fait fortune, c'est talent pour gagner. Il y a que il gagne en Italie là à en Angleterre, tifosi a prôné les yeux du foot, les yeux du football. Ça veut dire il prend match pour un culte les dimanches dans stadio. Ils prennent comme une synagogue, comme un lieu de rassemblement des chrétiens. On sort des retrouvailles. C'est un moment de retrouvailles. Écoutez, ils même aujourd'hui ils viennent le dieu du foot, la religion du foot. Ça, nous devons tout côté dépasser entendement, nous dépasser et réalité et vécu nous métaphysique. Pour ça qui concerne qu'on y a situation pays y a, les graves, à jouer États-Unis les graves. Ça s'en a voulu, ça s'en a de fait. Mais, et, dans la Ligue des Nations qui a fait là, on est avec l'arrivée du président de la FIFA, le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, nous sommes venus avec notre philosophie pour dérouter Joseph Blatter. Ça a eu la Ligue des Nations. Ça a eu les phases éliminatoires, mais Gianni Infantino, définir le genre, côté toute équipe, tout pays, toute confédération, tout continent en bataille. Abgon, on classement pour les 10 premières équipes, on classement pour les 20 premières équipes, on classement pour les 30, on, pour nous, il y a là, lui-même, l'on a 10 premiers, on parle de la barre hexagonale, l'on a 20, on parle de la barre Gold Cup, là, donc, on parle de l'autre compétition, ainsi de suite, on parle de la Caribbean Cup, ainsi de suite. Et Haïti, côté match, Cuba, ça, le 24 mars, très crucial, parce que les gars dans le classement, il y a 3 journées qui jouent. Il y a n'importe 5 équipes qui gagnent 9 points sur 9. Et pendant qu'on dit ça, Maître Aoul, on mettait en quelque sorte pour téléspectateurs qui suivent nous là, on mettait sous screen là pour eux, puis on va suivre là, et si tu gagnes, qui a sur même qui en tête avec 9 points plus 21. Haïti en deuxième position, 9 points plus 16. Cuba qui est en troisième position avec 9 points plus 14. Canada qui est en quatrième position avec 9 points plus 14. Jamaïque qui est en cinquième position avec un total de 9 points plus 11. Qui est notamment la Martinique qui est en sixième position avec 9 points plus 7. Ça nous déjà dans 6 équipes à 6 équipes qui a 9 points et puis donc en 7e qui c'est Bermude à 6 points et 8e équipe Saint-Étienne-et-Vincent les mêmes avec un total de avec un total de 6 points ou bien République Dominicaine à 6 points, Nicaragua 6 points ou bien équipe vraiment là qui en bas là, il y a pas gain là puis yo bataille puis yo est capable monter dans Ligue B ou bien Ligue C mais si cette équipe yo là vraiment là qui capable retrouver Ligue 1 là où la chaîne. Voilà. Well, voilà le scénario. Bon bien qu'on tombe à classement Boutis. Puis regardez pour EK qui gagne pas rien à faire des bagailles des on grande différence et en plus différence de but. Très très compté là, Haïti était le premier, mais quand c'était Gol qui a sauté qui a là, permettre qui a sauté dominer pour les hommes non. Et un l'embarrassement pour eux, avec 6 points, Haïti gagne 9 points, ça démontre la Haïti deuxième, par rapport au nombre de buts marqués, nombre de buts encaissés de la sélection haïtienne de football, les Grenadiers. Et bien dans le cas ça, on match nul, on défaite, Haïti a perdu le classement, au fond. Parce que chaque 24 mars, ça a une journée pour tout le monde. Non seulement Haïti a joué avec Cuba, l'autre sélection jamaïcaine, sélection de Curaçao, sélection de toutes les semaines, les Grenadines, ils ont gagné également pour jouer. Tandis que les grands ténors de la zone, à savoir les États-Unis, le Mexique, Costa Rica, Honduras, Mounsao, eux-mêmes, ils ont été pour autant de l'autre phase qui pille devant, qui pille importante. C'est là, situation qui a développé en Haïti, là. Côté, Haïti nous donne très ingouvernable. Des scènes de violence. Raoul, par rapport à la Jean-Pierre, sous le résultat, Et Jean-Pierre, là,
et depuis 6 équipes ça là fini dans tête là et côté vraiment là il va gagner là pour je se dit là il a prêt pour retrouver les États-Unis, les Honduras, le Mexique, le Costa Rica, le Panama et Trinidad et Tobago. Et vraiment là c'est à partir et top 10 là vraiment là qui va gagner là pour jouer Gold Cup et rester vraiment là il va verser en Ligue B et C mettre à relâche. Oui, faut me dire Gold Cup là. Mm-hmm. Parce que Gold Cup là c'est le plus grand compétition de football qui gagne dans la région Panon là. Mm-hmm. De même la Copa América, la plus grande compétition de football pour les pays de l'Amérique du Sud. Mm-hmm. La Coupe d'Europe des Nations représente la plus grande compétition de football pour les pays européens, pour les équipes européennes. Mm-hmm. Idem pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mm-hmm. Et mais nous, Haïti se trouve dans la zone de CONCACAF, Caraïbes. Mm-hmm. Il y a Caraïbes, Caribbean Cup, une petite entité qui se trouve dans la CONCACAF. Mm-hmm. Grande entité qui englobe les zones noires, les CONCACAF. Mm-hmm. En dedans, il y a une sous-division qui nous dit Caribbean Cup. Mm-hmm. Maintenant, l'équipe dans ce classement, ça, équipe peloton en l'air, qui est mieux placé, il y a même y a pas la pire compétition que c'est Gold Cup. Mm-hmm. Et l'équipe qui fait moins de fois, il y a pas la deuxième catégorie, c'est Caribbean Cup. Mm-hmm. Oui, Ouais, nous pas grand prêt pour nous faire passer là, mais on a profité ça les cousins, Mireille Boutis qui belle bien connecté, cousine nous saluons. Watni Prophète depuis Nassau Bahamas en forme. Et nous gagne là tout Grégory directeur parlant depuis Cap Haïtien, il fait connait que information en Haïti là, il est tout différent par rapport à information à l'étranger, surtout en Haïti lui-même côté dirigeant yo et joueur yo, yo pas veulent pas information. Et qu'on est là après match et pour prendre réaction dans mes dirigeants, ils ne veulent pas parler, joueurs ne veulent pas parler. Et comment que nous capables arriver vraiment là pour nous vendre espoir vraiment là dans le pays d'Haïti mettre à relâcher. Ouais, venir là, il faut qu'on table ronde qui fait belle table ronde chita. Mm-hmm. Et faut qu'on vraiment des directives qui lancent. Tu me par exemple. Mm-hmm. Anissa un paquet de joueurs a révolté. Notamment, Jimmy Fédézou, il joue football depuis plus de 10 ans là. Mais c'est pour la première fois là. Yadine Sino nous saluons et puis donc nous souhaitons Wilmin Simeon un happy birthday. Oui, Mathieu, c'est pour la première fois tout. Moi, je vais un petit genre après voter là et c'est tous les cas de Jimmy Fédé ou je vais Vania Sirento qui courait. Monsieur tout là et monsieur parle de ou jeune non championnat il y a non et si nommé professionnel et quand il a joué avec Mario Paris Saint-Germain, il a joué avec Mario Arsenal. Vraiment là et c'est pour la première fois là tout moi je dirais que ça va sortir et parfois là on garde nous mal. Mais maintenant avec je là vraiment là entre dans cause ça vient nous plus force Mathieu Lachine. Ouais, on révolte qu'a préparé là. Mm-hmm. Et les revendications sont justes, sont très justes, monsieur Boussis. Mm-hmm. Ce matin, sur page Facebook, Samuel Madoche Pompé, monsieur a annoncé qu'il a pris une retraite. Si il a pris, Zanana pour Suzanne, un championnat qui s'est mis amateur, il a pris le professionnel. Monsieur Zil a décidé de faire une carrière. On jouait comme bel avenir. Ça m'a donné pour ses capitaine sélection de moins de 20 ans. Ouais, je vais Valencia. Et vraiment qui. Et dans Gonaïve, c'est idem. Daniel Jones, si font pile ou quoi, le meilleur buteur pour Ressine Gonaïve. Monsieur finalement a divorcé à Ressine Gonaïve. Puisque monsieur allé dans la Liga Dominicana, dans la République Dominicaine. Année dernière, Java Bakoua, un club qui est instance football dans la République Dominicaine. T'es mettez équipe là, bas zone non équipe. Monsieur fait un an la donne. Saison ça, on l'autre club qui a plus ambition que Jara Bakoua. Romehem, football club, à la République Dominicaine. $1,500 américains, il y a bail avec Daniel Jamsi et il a gagné $500 comme frais. Ça a fait monsieur Ressine, Pézi, monsieur, il a gagné championnat national de la division 1.
perdu, monsieur. Qui bizarre, monsieur Boutus? Daniel Jamsi, pour jambes pour te couler, c'est que national la SNS sous doul. C'est très jeune, dans 22 ans. Qui ça pral dit si République Dominicaine prend statut, monsieur, change statut, monsieur, balle pasteur dominicain, met de l'ambiance, fait jouer pour sélection dominicaine, non? Hein? C'est le cas là. Et, pour j'en moi, colonie des joueurs haïtiens débarqué en République Dominicaine. Moi, m'crainte, ça, m'crainte un revirement, m'crainte une autoproclamation de la République Dominicaine pour dominer nous, du bec des ongles. Mais, dominer nous. On a gardé tout on craint ça. Et ça qu'on a dit hein, les n'a gardé là tout petit bon grand joueur que nous gagnons là tout crème là. Et yo aller dans République Dominicaine, dans pays République Dominicaine et sur on a pas dit Charles Wall Junior, ou bien Jacques Dojean et on gagne là et on gagne Paul Soron Pierre et gagne notamment joueur et Babalito Babalito lui-même qui allait dans l'équipe Pantoya. Et il y a ancien joueur Aigle Noir qui t'a venu à Riyadi Kaplan. Et Nelly Saint-Ville qui allait dans Pantoya. Et bon, les Napgardes là. Bon, Jean-Rusner de Rival tout, qui dans la Cour République Dominicaine tout. Les Napgardes, autant de joueurs, si tout gagne là, joueur équipe FICA. Et en parlant de Kedjon Kola et Thibaut, monsieur qui allait dans la Cour République Dominicaine, et tout Thibaut grand joueur que nous gagnons là. Bon voilà, il file, est-ce que nous sommes capables de continuer? Et parfois, les gens y allaient dans la Cour République Dominicaine, les gens dans la sélection là, ça a un gros bif là, tout, mettre à vous lâcher. Bon, ça c'est investissement. Dirigeant va frapper un genre, je vois que c'est acteur souterrain, les acteurs principaux. Ils ont même une réponse soit d'une autre façon. C'est un bon exemple. Depuis plus de deux ans là, la sélection haïtienne a constitué seulement des joueurs qui ont dit nous qu'ils jouent à l'étranger. Dans des 5e division, dans des clubs, dans des championnats à grand niveau. Qui pas même en compétition même. En République Dominicaine, c'est vrai, c'est le plan technique. Ça a beaucoup répondre. Nous devons honnêtes. Je pense là, loin devant Saint-Domingue, c'est le plan technique. Mais c'est le plan économique, c'est le plan physique. Ça, Liga Dominicana a dominé le championnat national loin ici. Jouer en Haïti, son dilemme, non seulement pour la sélection, et en plus pour répondre avec besoin. Il y a une madame, il y a une petite, il y a une famille, il y a un foyer. Et bien qu'on y a, il y a cherché côté de l'eau à couler puis fouiller. Et pendant Abdelbakan grand point comme ça là, il faut une crainte de retomber dans les 5 prochaines années, dans les 2 ans à venir, les 3 ans à venir. Il faut une crainte de retomber. Pas un bon cas flagrant comme M. Boussus. Wilgens Aristide. Joueur formé dans FICA, capitaine FICA, ancien joueur de la sélection nationale de football. Monsieur joué à gauche, il joue à droite, un joueur polyvalent. Mais finalement, la musique avec FICA divisé. Ouais. Pour qui ça? L'année dernière, club en République Dominicana, l'année Dominicana, il a pris monsieur Bamis son contrat 3 mois, un contrat 6 mois. Mais club là qu'on a lui-même, voulait Bamis possibilité de prolonger, de prolongation de contrat. FICA, qui sont équipes de principe, comme nous comptons en Haïti, FICA, les Aristide, je dis, monsieur, nous ne pouvons pas faire dans la route sanglée, aller-retour. On conclut, nous mettons dehors, ou pas dans FICA encore, moi, je suis sauvé, jonglé, l'envelé, voilà, on y a si bien, chaque petit Jean, séparation, on joue, qui capitaine Brassard, capitaine qui FICA, non, mais, chaque petit Jean, séparation, fait mal, il est grave, Mais là, regardez Ficato là, il y a des problèmes. Mais si tu l'opère de Kedjon Kola, et nous pas même besoin de parler de Babalito, tu es allé bien longtemps. Mais là, il y a Wigan Aristide qui est le capitaine de l'équipe. Les 7 années d'excuses, nous sommes allés où? Et Wani Prophète, nous connaissons Jerry Merveille à jouer en Espagne. Bon, et là, bien très bas niveau. Mais quelque sorte, nous connaissons Haïti Saint-Kélié, nous avons fait ça tout, Watni Prophète. Mais, ça qui nous a dit de FICA, FICA lui-même, parfois, philosophie, il a toujours dit que, il n'y a pas quoi dans superstar. Est-ce que, si là déjà, c'est pour ne pas payer plus l'argent, c'est la grande question vraiment là, nous sommes capables de poser, mais
si calé même qui parle brésil pour renforcer là et surtout fatigué yo yo pas tablé pour équipe yo a perdu mettre à relâcher bon m'a pas quoi je dis ça non pas quoi que c'est superstar fika toujours gros superstar oui je sais pas Auguste qui entraîne connait assez superstar dans africa Goldman hier ça fait m'a parlé là maintenant est-ce qu'il y a des gens capable changer mon ami fika Fika, son équipe basée sur la discipline, c'est vrai, moi, ça me pensait moi-même. Fika est une équipe axée sur la discipline, même sur Superstar, nous sortons ou deux sont très disciplinés. Parce que Superstar, c'est pas une équipe sans Superstar, pas un football sans Superstar. Donc, Fika a un problème avec le joueur de Superstar, et il y a des joueurs de Fika, c'est un Fika au bon galon. Mais seulement qu'on est, Fika sont une équipe qui axé, qui basé sur la discipline. La discipline efficace pour une équipe qui joue au football, car elle fait soif de la, Jackson et Pierre, exemple, même les Gounaïves, ils font pile barre dans FICA. Jackson Pierre, meilleur but de l'équipe FICA. Jackson Pierre, attaquant Gounaïvien. Et nous avons Gregor et Pierre Dike, Lolo Pat Superstar FICA. Oh, j'ai jamais vu ce que l'autre, tu es en sélection nationale. Capitaine équipe FICA, on n'est pas buteur, n'est pas ton attaquant, on défend celle des. C'est capitaine FICA, son joueur me connaissait bien. C'est Logis Lolo. Monsieur, c'est capitaine FICA pendant plusieurs années. Et monsieur, c'est une sélection nationale de football. Son joueur qui gagne FICA ensemble. Son joueur qui a décidé pour FICA. Et pour FICA. C'est pas ça, pas forcément ce monde attaquant. Alors c'est maman qui bite, qui a fait gros luc, forcément qui bite. Bref, eh bien, Chris Salah, qui a développé, réduit championnat. Puisque chaque grande ville là, là, moi, j'étais au Cliff Cantave. Il est champion à Mibalais, il est le meilleur journaliste de mon ballon d'honneur ici. Cliff Cantave dit bye bye avec le championnat national. Là, bon, vous êtes encore. Adriano Delva. Monsieur encore, vin ba championnat Dominique, Liga Dominicana a plus de valeur, en Haïti, on est venu jouer dans Don Bosco, Anne Vassel il joue le premier tour dans les Haïtien, Anne Sala, c'est pas dans la fin de saison là, il joue Sigestan pour Tempête. Parce que Liga Dominicana avec le championnat national là, bon côté au croisé, bon côté va croiser. Là au croisé, joueur a fait choix là, jouer Liga Dominicana, là on va croiser là. Je suis en Dominicana fini avant, je suis en la fin avant, on a fait choix venir en Haïti. C'est grave pour un joueur avec deux championnats en même temps. Est-ce que tu as osé en Argentine pour Messi a joué dans Barcelone Liga, comme en Argentine, le championnat a fait un cycle d'ouverture chez Clôture qui est différent de vous, on a le fait que chaque Liga Dominicana a composé campé pour Messi qui est Argentine, pour la venir à quand on se trouve en Argentine, ça va grave, ça va très grave. Son bagaille pour instance de BIO. Fédération haïtienne de football, Fédération dominicaine de football, d'où venons nous sous ça. Oui, Maître Raoul, nous avons Nathanelis, cousine pardon, nous allons, Nathanelis, nous allons, et bonne écoute. Nous avons là tout, Coach Assel Fogg, depuis Argentine, Coach Assel Fogg, et nous allons, mon ami, depuis un pays Argentine qui a suivi nous là. Et nous avons là tout, Grégory Dinola, époque, ça a été gagné, Pierre, Marie, Bétoni. C'était Daniel Ambroise, et ça parlait là, et c'est donc c'était joueur équipe FICA. Mais c'est que nous avons lancé pour nous dire, Maître Raoul Achille, il y a un joueur qui a joué dans le championnat, et qui, qui objectif joueur. Joueur fait arriver faire sélection, et puis donc espérer, il est capable d'arriver décrocher un contrat. Mais au joueur des joueurs qui a joué dans le championnat, il n'est pas capable de faire sélection, Maître Raoul Achille. Oui, c'est ça. Puisque sélection, l'immunité prend toujours nécessité de l'argent, sponsor pas répondre dans la mesure qu'il faut dire à son besoin là, fait qu'on est à reprendre jouer avec un visa américain. Et encore, tu connais pour tout, tu connais les défections, depuis sélection, il y a un joueur en Haïti qui t'a depuis aux États-Unis, soit deux, plus un an où été. Mais fédération, en cap vive, on y fait répétitif, c'est-à-dire un effet à répétition, je choisis qu'on y a, et pour un joueur, qu'est-ce que tu dois jouer à un niveau, qu'est-ce que tu dois jouer dans le championnat, juste bien loin en Asie, qui va même gagner des compétitions,
on a repris par rapport avec le ça qu'on salait c'est droit en Europe même si on s'y en Europe ou on salait qui est approprié qui pas semblable même avec ça ici mais les ça on nous promet dans sélection nationale puisque qu'a critiqué par rapport par eux et par la suite sélection après renverser après rembourser ça c'est qu'on salait en pile joueur ouais après la sélection nationale là le petit qui a comparé il est arrivé soit 3 jours après 4 jours après 5 jours après même les vous d'accord même mais ça ouais comptable administration secrétaire général fédération Carlo Mastin a remboursé je ça contre les dépenses et en plus de ça c'est réduit tout la position dans la canon et on entre une depuis le parle sur qui sont ça il est toujours une direct entraîneur José entraîneur Saint-Pierre qui go naïve là l'autre jour non présentation son spire comme nouvel entraîneur du Sénégal qu'on a eu. On te pose une question. Les IFM, balle sélection, national la Jodia, demain contre tout joueur en Haïti pour le réveil sélection. Et monsieur même allé plus loin, les jours, les joueurs dans le cap de Zimbabwe, j'ai cap joué Bangladesh, j'ai cap joué Congo, cap joué en bataille, cap joué dans l'espace, et il est obligé à convoquer eux, tandis qu'il y a un talent ici. Des jeunes joueurs ici, et ça minimise le résultat par le championnat. Nous, ouais, les joueurs, ouais, ça a tout, je vais vous dire qu'on dit, ça c'est un. Deuxièmement, encore, joueurs résumés dans la jouée, c'est un phénomène là, parce que joueurs, ouais, il y a un Haïti, si vous avez une sélection, il faut un visa américain, il y a un visa américain. Et en plus, sélection qui est plus facile pour jouer là-dedans, là, sélection à base à jour. Moins de 17 ans, sélection 17, sélection 20, sélection 23. C'est ça, vous pouvez jouer en Haïti. Mais un paquet de joueurs qui ont 30 ans, qui ont 25 ans là, vous descendez là, je vais dire oui. Vous pouvez faire personnalité. Qui ça fait mal? Dani Camille là, vous pouvez dire monsieur qui a 20 ans. Dani Camille, vous pouvez dire monsieur. Dani Camille, ancien capitaine d'équipe, équipe ASCA. Nous sommes entraînés actuellement là avec Violette. Mais saison qui est écoulée a été fait pour ASCA, n'est-ce pas vrai? Non, capitaine ASCA, deux saisons, oui. Et des titres à bon là, des titres à bon dans deux saisons, hein? Ouais, ouais. Tout des titres dans le camion là, oui. Et encore, Aristide qu'on a oui. Moi, je ne vais pas me vivre pour vivre. Mais, là, on fait comme ça, tout. Il n'y a pas un bon bagage pour jouer à tout. Là, on descend. Il n'y a pas un bon bagage, même d'où il y a peut-être. Ouais, c'est un joueur qui fait un constat, mais pas égaré. C'est à bas âge. Il prend un joueur en section nationale là. Il y a tout le monde qui a pour faire un papier, bagage, non? Oui, pour descendre l'âge à zéro. Il laisse la bien visa américain à l'aise. Et ça casse à gagner plus de côté de pays. Vaniel Surin, là, je présente pour lui, il y avait un problème. Chedin Franck, cap joue longtemps. On, il y a un problème. Dani Camille, tu es dans Oulado, tu es joué pour tout Prince, oui. Tu es joué pour tout à bord Prince, oui. Et Oulado, il y a 3 ans là. Oulado, il y a un national là. Là. c'est là pour nous, ouais. Situation lui-même, lui, vraiment. Compliqué, j'en demande football qui n'a fait là, il faut que nous repensions, mais et nous connaissons que l'État lui-même, il y a d'autres. Nelson Ville encore, Nelson Ville qui était à Zikab, la mise à jouer dans le Dominicana, 22 ans, Nelson Ville, tu es un aigle noir, oui, tu fais bon ton aigle noir, oui, Nelson Ville, oui, ouais, il était un bon ton aigle noir, et après ça a été dans Real Dicap pour deux saisons, comme ça, et puis donc on y a là. Deux saisons? Disons, on ne pouvait pas partir après la Saint-Domingue, il est retourné dans le handicap, on a retourné dans le handicap encore. À deux reprises, il est dans le handicap là. Mais ça parle de Dani Camille, champion avec l'équipe ASCA. Mais nous avons Grégory Pierre, surtout dans la Coupe Haïtienne, c'est directeur pardon, de Saint-Denis TV. Il faut qu'on ait que Jean Ficaro, qui est début au venant dans l'équipe FICA, FICA est dans. Vin gen chans, et puis donc, depuis que je vais aller vin ladan, le vin gen amour pour l'équipe là, mais dirigeant vraiment là, papa je vais au valet, et papa au valet, et non, chan qui est au dans le de jeu, ou pas en cas de jeu, Kodi Raoul Achef, et moun qui n'a la coupe kaba, il fait vraiment qui n'a non bagay là, Kodi Raoul Achef, c'est ça. Bon, par contre, ça, l'encadrement, puisque moi, je connais, je vais toujours plein ça, qui bureau a son salaire, et aussi son salaire à jouer, et puis il y a un frère, c'est ça mon tout naïf. Et moi-même, pour non tant mieux expérience dans le niveau football là, ça me dit à me connaître.
joueur football à Ligue 1 contrat avec le blanc et puis c'était frais et les primes et les frais du match et les primes du match bout de secondaire ça fait bien frais de match on va avec automatique frais de match on va avec automatique mais ils ont fait à domicile gon frère en déplacement pour l'autre frère son frère au bas même qui automatique et dans playoff tout dans playoff marron c'est dégueu là les matchs sont stimulants son motivation en plus que les dirigeants ont disposé à jouer ou bien à l'équipe là si besoin de victoire si besoin de match nul si besoin de score c'est ça les primes de match et encore qu'on salaire mensuel jouer à gagner par exemple dans FICA dans l'époque nous avons joué dans 25 000 gouttes même si 25 000 gouttes par orienté en là nous avons FICA nous avons été salaire 25 000 gouttes et bien encore sans compter les frais et les primes de match bon. Et en tout cas là, bagala est vraiment compliqué. Bon, là où ça vient d'abdia, nous t'as parlé concernant de Gold Cup, Copa América et ou pas bon, Copa América qui parle fait là et que nous et que pays Amérique du Sud là, ils ont invité de nouveau en thème Qatar et puis donc avec et Simon Mbafin de Folle du Japon. Moi, j'ai invité deux qui sont là. Il y a un bagaille. Là, j'ai regardé dans la coupe. Et avant tout, et avant même là, et contrat, pas doué, c'est seulement les gains championnats. Waouh! Ça sent l'autre aspect là. Il n'y a pas venu avec le préquel d'affaire là, mais ça, Greg Abdia là. C'est que contrat, pas doué, c'est seulement c'est les gains championnats. Les gains championnats, pas un contrat. Et en termes de championnat en vacances, je n'ai pas touché, puis entraîneur pas touché. Ça fait l'autre aspect, Raoul Hachi. Non, l'important est dans Boutiste. Aspect grec pour l'important. Ouais. Droit du travail, moi en tant qu'avocat, juriste, le code du travail, c'est 12 mois qu'on est, le code en 13e mois, il connaît. Mais Mounio, il n'a pas appliqué, soit grec dit là, c'est ça lié. T'as de contrat annuel, tu vas rester 12 mois. Et le 13e mois, code du travail a demandé, les bonis, que en plein institution là-bas, par exemple, il n'a pas l'école, pour faire l'école, yo. C'est rarement où on l'école paye. C'est l'école échantillonnage qui paye 12 mois, qui paye 12 mois. Je ne veux pas perdre un professeur. Non, vacances doit inclure dans salaire. Elle dit, je suis en avance 8 mois. C'est moi qui ai une grève que ça veut dire. Je suis en avance 8 mois. 8 mois, c'est doit ça dire 1 mois, dire 3 mois. C'est doit ça dire 3 mois, c'est femme celui-là dire 3 mois. Fait 6 mois. Un mois avant, je suis venu à 23 février là, équipe qui est en préparation depuis un mois avant. Elle dit un mois avant, plus 3 mois en compétition, fait 4 mois pour ces ouvertures. C'est que là, encore même pas encore. C'est que cela a fait 3 mois. Après un mois de préparation foncière, quand fait 4 mois. Mais 4 plus 4, 4 c'est ouverture, 4 mois c'est ouverture, plus 4 mois c'est ouverture, fait 8 mois. C'est 8 mois. Gonaïve récine, Gonaïve paye joueur. Et club lui-même, c'est 8 mois de travail ça, de championnat au pays joueur. Et 12 mois, n'y a rien. L'autre 4 mois, ça doit inclure nos contrats. C'est là, je suis d'accord avec l'intervention de Gregoire, parce que moi-même, je suis avocat, je suis un homme de loi. Code du travail, c'est ça qu'on est. 12 mois de travail. Bon, contrat, il y a un contrat respecté, mais il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a un contrat respecté. Tu as un bon exemple, qu'on ne va pas respecter, c'est par rapport avec résultat. Contrat au lié à résultat. Ouais, équipe qui fait playoff, équipe qui fait finale, qui prend un titre là, il est obligé d'honorer le contrat. Mais l'autre qui a battu pour le mien, c'est par exemple, si on a eu la saison dernière là, il était doué jouer jusqu'à moi septembre. Il était doué jouer jusqu'à moi septembre. Il était gagné plus que 1 million de gouttes. Il était gagné 1 million de gouttes d'être. Jacques, ouais, élu de la Tibonitio, tu bats Ricine 1 million de gouttes avant de démarrer parce que tout le monde est arrivé loin. Deux fois pour le médecin, ou à jouer ou son équipe de seconde zone dans la série. Parce que chaque série, il y a des équipes de première zone, des équipes de seconde zone. Ça en termes
jargon du métier. Ce n'est pas une seule équipe. L'équipe qui passe de première à huitième, là, nous voulons les équipes de première zone. Et de 9e à 16e, l'équipe de seconde zone. Ça va, ça sous le palmarès, sous le titre. Tout va être efficace, c'est l'équipe la plus située du pays. Si Fika, dans ces nouvelles, tout ça, quoi, faire la papa, mais une première équipe, yo, là, dans l'équipe de seconde zone. Ça va révéler, il y a plus de titre dans le championnat national là. Mais dans la série, ça, dans la saison, ça, il y a constitué comme une équipe de seconde zone. Par exemple, Ressine, on avait fait deux saisons, 2016-2017, comme équipe de première zone. Tandis que 2018, de l'année dernière, Ressine fait toute saison comme une équipe de seconde zone. Seconde zone. Et mais, là, dans la seconde zone, non, contrat qu'on ne va pas respecter parce que c'est, tu ne peux pas déplacer, manquer motivation, manquer regard sur l'équipe-là, et manquer accompagnement. L'équipe-là, lui-même, l'a fait play-off. L'équipe là, je pour le titre, gagne plus motivation, gagne plus off, gagne plus déplacement du public, puisque en Haïti, nous pas battre tout menti. Premier sponsor équipe yo, c'est Fanatique yo. C'est Fanatique yo, c'est public, équipe là, c'est même qui premier sponsor équipe là. Avant ça, pas t'as bien entré, ou bien ou pour équipe, qui ont groupe comité qui ont des On va continuer. Oui. C'est soit nous avons des équipes qui ont des hommes d'affaires ou bien qui ont des mécènes. Mécènes sont des gens qui ont une somme de cob et qui font soit dans un business ou dans l'autre dans politique, qu'on y a les faire retomber dans le social, dans le sport. Il y a plus d'équipes. Tu as un Fruzi Mazouka dans le comme ça, tu as sa ville destin dans Ouladok, ton mécène, tu as Moza, les Kayoka qui existent, nous sommes constitués comme des mécènes. Ils ont un capital, ils ont une somme d'argent disponible, ils investissent et il y a un résultat de ça, équipe ça lui-même, contre Ali, Ania, à perspective. Mais, l'équipe en situation difficile, l'équipe là, ils viennent coûter pas de résultat, reste cochon, pas qu'à coup de cochon. Et qu'on est sponsor, pas facile. Digicel, plus gros offre, plus gros sponsor, je m'en ai gagné, c'est Digicel. Et de l'union, c'est Digicel. Et pour si pas un monnaie, ça fait petit campil. Tu mets 4 millions de dollars pour 4 ans. La chance championnat pour 1 million de dollars américains, et chaque année. Tandis que, on, ça a été critiqué. Et lui, t'es plus gros sponsor. La FIFA, bon, comme la FIFA, ben, toute fédération, 250 millions de dollars américains environ. La FIFA va être tout pays qui affilié à FIFA qui n'a pas là. Mais comme ça lui-même, FIFA a demandé 30% d'adam, doit aller en football jeune, l'autre 30% doit aller en football féminin, 40% pour l'autre bagage, ça on a parlé là. Ouais? Eh bien, il y a un pays même, c'est comme ça, tout le monde en Angleterre, pour les grands pays, les États-Unis. C'est comme ça, FIFA va y avoir. C'est vous, il n'y a pas de soit vous, la cuisine, vous, on. Le vol en côté, mais pour aller simple la galerie, on voit qu'on est comme ça au pays habitant, comme ça, voilà. Comme ça au pays habitant, le pays commissaire là-dedans, il y a subventionné qui vous là-dedans, 250 millions d'Américains chaque année, qui travaille, pays. Je crois que Daniel Fatino a doublé. Bon, si le double, c'est bien. Il m'a dans le séminaire de la fédération en chant. Les FIFA, ils vont. Nous croyons que le sable là était là. Je te connais 250. Mais, avec l'arrivée de Gianni Infantino, le doublé, lui, et surtout, les grands matchs Ligue de Nations de la CONCACAF, il y a un subvention tout, côté à relâcher. Bon, c'est bien. Même de comme ça, il paye habit, il paye emploi à la vie fédérale, il paye commission au terrain, comme ça, on parle à la son COB, nous avons 30% de l'an football jeune. 30% de l'an football féminin, l'autre 40%, je vous dis. Ah, vous avez un canal plus star. Canal plus star qui sponsor nous là. Nous ne connaissons pas. Ah, en fait, non, chouette. Même pour ce ensemble là, quand on va médiatique, vous connaissez chaque jour un match fort, vous à travers le monde. Plus ce qu'on sait, vous avez 6 salaires là-dedans. Plus ce qu'on équipe là, vous avez 15 000 dollars, bon, écrit, vous avez 15 000 dollars, vous avez 10 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 000 dollars, vous av
c'est une subvention qu'on doit l'État qu'on doit équipe yo et ce ministre et qu'on a vu Abel Nazer c'est un gounaïve c'est bah on dernier versement par contre ce ministre qui là c'est d'une chose qui est en bas lui-même et ministre là dans la région là mais tout par contre c'est une base la mais tout mettez à vous on va mettre les sports bon ça me connaît et nous qui là Gégo édité Gégo bagay tout ils ont fait les absurdes ajoyo yo mette et puis après yo mette pa yo non seulement ou gen haïtien là y a si yo pas prend temps pour faire la ti de faire balle signer en pile jouer ca jouer c'est ça joueur mérite gen avocat joueur de mettre gen comptable avec ou parce voilà. Que j'ai aussi un contrat yo pas fini à ti yo c'est parti salaire parti année yo qui concerne yo ça c'est vrai dans le sénat casse à très flagrant t'es par exemple t'es 10 motos risque de bail et maintenant gouantic dans 10 motos qui dit c'est après 2 ans joueur qui a manifesté volonté pour quitter l'équipe là on va qui contre à FIFA qui contre tout avec nos football là joueur aussi quand même parce que pas un joueur qui est transpirable seulement on va avoir le clause libératoire ouais monsieur il y a des clauses libératoires. Mais pas un joueur qui est transpirable. Mais il signe un contrat avec le joueur. Ou pas à vie, mon cher. Non, mais pas un joueur qui est transpirable. C'est clause libératoire pour chercher capable de répondre à elle. Mais tout ça autour, Fédération est au courant de contrat ça autour. Fédération mal passée. La fédération, c'est l'émanation des clubs. C'est ça à prendre moins. La fédération, c'est l'émanation des clubs. Mais, ou pas, il y a deux catégories de clubs en Haïti. Il y a trois catégories de clubs en Haïti. Il y a une catégorie de clubs qui proche à la fédération. Abri Thomas, même, il y a une équipe Saint-Marcou, ou un Cavalli, ou un Aigle Noir. C'est Abri Thomas, même si on arrive là, quand même, là. Malgré ça, là, son équipe attachée à la fédération hein? Et gagne notre catégorie équipe qui ont déjà à bataille pour le principe pour la discipline et puis cap bataille pour le respect du principe et de la discipline à l'époque tout nous avons AFC était fait équipe de fédération tout, hein? Mais après ça la secrétaire était venu changer ça. Mais équipe a de comme ça en termes de c'est même bien au cap la troisième catégorie équipe là mode catégorie les équipes pour FHF les équipes pour le respect combien d'équipes même innocent équipe de petit par exemple équipe qu'on a avec équipe petit parce que les gens votent en fédération a gain vote en 2019 les gens votent équipe ça aussi votant de réserve ouais elle votant de réserve là un cas si les signes à faire, vous n'avez pas à faire rebelle, l'homme va voter, yo bleu aussi, il y aura les créés. Ça aussi, ouais. Des équipes de piscine, des équipes. Ouais. Et qui a cherché à la partie. Mais, ça qui va, il a profité ça, Antonio Jorge, depuis Willy, et depuis République Dominicaine, confrère par nous, et le salon Antonio Jorge. Mais, coach, moi, je veux les enfants. Moi, je peux faire des binasso, enfants, bon, les pâmes. Ça que nous. Non, vous voulez que vous n'avez pas mieux, mais vous n'avez pas mieux. Non. Vous voulez que vous n'avez pas mieux. Non, vous ne connaissez pas, mais, mettre là. Vous avez un travail, moi, journaliste, en tant qu'on a une expérience dans le domaine, non? Ouais. Et ma c'est mieux. Ouais. Avec des médecins, avec tout éthique, moi. Ouais, vous voulez. Mais, Yaoul. Tout ça, on va les cas, nous connaissons pas, il n'y a pas tout. Mais là, on a regardé, Mediaoul, là que pour un club affilié avec Fédération, et donc, là pour vous, il n'y a pas à voter. Pour qui ça l'affile la Fédération? Ah! Ça va, moi, je vais le consoler, je vais le consoler, là. Il voulait quand bien passer bureau qui là mais la bien conséquence là parce que monsieur directeur pas Saint-Thérèse là il a une gros pression sur dollars non pas là et comment dit mettez à où Enzo Lawrence Braville mettez garçon sur lui pour poser candidat dans cette fédération en face docteur Jean Bamdou ça sont un choix
on soit ti à trois ou bien dit on soit difficile. Et mais Jean Chanzaï là pour Enzo est arrivé de chaîner Chanza. Il va facile. Nous gagne. Nous gagne. Mathiaoul. Et vous connaissez gagne. C'est un choix suicidaire, le vrai mot. C'est un choix suicidaire, mais même là, la travail, Pressonville, dans le parc Saint-Thérèse, il commence à recevoir des pressions. Et il y a même scellé qui déposait, et là, pour monsieur, juge de déposer, bon, bah, on s'est demandé ce qu'il faut faire. Pour à persécuter monsieur dans le parc Saint-Thérèse de Pressonville. Puis regarde, il va se faire travail là bien. Et puis pour éducateur, monsieur lui. Voilà. Et vous connaissez, c'est quoi ça va là? Et nous, on tout grec du tout. Je vais pas parler d'équipe là, comme équipe fille qui a tardé un visa, puis tu as venu à Miami. Il y a des points fille. Et puis pendant qu'il y a un fait à tout le monde, il y a des problèmes. Et il n'y a pas de problème. Et il y a des jeunes pas. Et puis donc, nous avons toujours des équipes qui sont proches de la Fédération haïtienne de football. Des équipes proches. La Cameroun naïve, les deux clubs connus. De football connu Rounaïve sont très proches de la Fédération haïtienne de football. À savoir le Rounaïve de Rounaïve et l'Athletic Club de Rounaïve. Eh bien, on va voir tout ça de modifications qu'on va faire. Donc, il y a tout un jour, Michel Dino, pour nous faire tirer à l'essou, championnat qui parle au V23, moi ça, après tout ce qu'on a fait, qui était passé là. Nous avons parlé de ça, vraiment là. Mais ça, nous disons, c'est la police qui prime. La police a primé sur le social, sur l'économie. Sur le sport, sur le football, c'est politique à dominer. C'est pas ça que vous avez chance que je vous en fait. Bon, c'est le cas là, et vraiment difficile. Bon, Raoul, ce qu'on a parlé, concernant, pour ne pas avoir avant Grégory était venu avec Apostle Lian, et si nous avons fait Copa América, il a pu inviter l'équipe à l'étranger pour venir participer dans Copa América. Et l'on va regarder Coupe d'Europe à faire simplement équipe européenne. Coupe d'Asie, c'est seulement équipe d'Asie. Coupe d'Afrique, seulement équipe africaine. Et bien, donc, il y a une compétition Copa América. On va inviter l'autre pays qui va même dans le continent. Ouan. Et je crois que former ce taf, on va équipe plus. Nous connaissons que l'argent qui entre dans COSIA. Et l'argent qui entre. Mais. Ou après là, l'Europe yon même y a monté en puissance. Depuis 2002, nous pour une Coupe du Monde. Dans la zone nan là. Depuis là, c'est l'Europe qui a battu nous. Parce que dans la zone nous, hein, nous pas travaillé assez et équipement qui joué. Raoul Achille. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec vous puisque c'est une position idéale. Une position idéale prise. Par les responsables de l'âme sud, puisque l'âme sud, la zone âme sud, Amérique du Sud, contient 10 pays, ou même qui n'en sont pas longtemps, font championnat à 10 équipes, ou à coincer, soit on va faire 2 poules de 5, ou bien, soit on fait 1 poule 6 à 1 poule 4, qu'on est au même, il y aura eu à la velle à 12, à 12 équipes. Et Amérique du Sud a gagné 10 pays là-dedans, qu'on y a 10, championnat à 10, en Coupe América 10 équipes la biaisé. Qu'on y a, il va faire 3 poules de 4. Et puis, il y a pour un demi et troisième. C'est pour qu'il y ait une quantité appropriée au football. Parce que championnat, qu'a fait 6 équipes. Mais là, il y a 5 équipes, non, mon baron. Championnat, bon, exemple, bon. On championnat qu'a fait avec 16 équipes. L'on fait la 20, on prend la réalité. 24, là, normal. Mais, tout, au bout de 17 équipes, on fait un championnat, on bouge de chasse, on retire, on fait la 16 ou bien, on va mettre 3 sur le fait la 20. Mais, il y a 10 pays, eux-mêmes. Devant Qatar, en grande pompe, c'est le prochain pays organisateur de la prochaine Coupe du monde de football de FIFA. Et encore le Japon, qui sont pays besoin d'émerger, puisque le football y a ressemblé avec le football de l'Amérique, de petites tasses. Football latin, football chatoyant, Japon, presque football asiatique là, a une ressemblance, une vraie ressemblance avec le football de l'Amérique. Totalement différent du football européen. On connaît bien le football européen de l'eau passe, avec
des passes de 40 et 30 mètres. Yes, tandis sir. Que en Amérique, c'est un jeu court, un jeu précis, un jeu chatoyant. Eh bien, et Japon entre dans la ligue, non, et c'est la première fois que Japon invité, moi même pas de mauvaise œil. Mais attends, après que nous avancé à entre-temps, nous avons pu aller au Gé la guerre depuis New Jersey, au Gé la guerre. Et je crois que monsieur Soti, Seigneur Gonaïve, je crois que Ogé Laguerre. Ogé Laguerre, nous saluons mon ami. Bon, Seigneur. Salut à vous, pasteur. Tout le monde, salut à vous, pasteur. Là, vous, pasteur, monsieur dit, c'est. Il n'était pas mon petit nom, il a. Il dit, c'est tel. C'est Tokai. 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 Et monsieur Dapton, dernièrement, là, mercredi, dans un niveau de sport. Et monsieur dit, m'de salo pour lui. Bon, vous dites ça, nous allons finir, puisque c'est là que nous avons bon faire, débat ça, puisque le pays a besoin de ça, sport a besoin de ça. Mm-hmm. Et dans le sport, à tout pour nous raconter, ça va passer dans le pays très bien. Oui, c'est ça, c'est très bien. Bon, oui, c'est là, et là, nous avons gardé sport aller maintenant en zone. Ouais, que nous avons niveau à descendre. Ça me permet, qui sont tes capables de faire pour ta. Élevé niveau A dans un an et Raoul Achille. Bon, pour le football à lever, il faut que niveau club yo, d'abord. Mm-hmm. Et club yo, il faut que l'État t'accompagne. Yo. Ça, c'est ce qu'on sait pas. J'en ai commencé avec le ministre Jimmy Albert. Mm-hmm. Et qui te commence avec la loi CAD. Ministre Jimmy Albert, il vient avec la loi CAD sur le sport. Et la pratique du sport en Haïti. Côté M. Tapoussatounen, c'est bon bagay pour nous faire facultative si nous voulons nous faire, si nous voulons nous faire. Mm-hmm. C'est pour des gonds pas dans cette fiscale-là qui versait dans le sport, dans le football. Laisse ça, club doit être renforcé. Et si club est renforcé, fédération t'a renforcé. Joueur, t'a bon, on allait mieux. Technicien, c'est comme moi-même qui journaliste. Ou même les journalistes, mm-hmm. entraîneur, masseur, tabou musette, la donne. Et encore, sponsor t'as obligé d'entrer. Parce que politique sportive là, t'as privé sous master, t'as privé sous multipiculé. Mais laisse ça, sponsor t'as obligé d'entrer. Et à travers le monde, qui gagne compétition au grand club, c'est sponsor qui fait exister. Qui fait à bouger. Nous souhaitons une conscience qui prend, mm-hmm. une table qui fait, pour nous réunir acteurs et pour nous poser les vrais problèmes du sport du football. Et moi-même, en tant que technicien technical, en tant qu'homme de loi, avocat, prêt pour là, pour me bailler, partition PAM, non, amélioration ça, qui doit porter dans le sport, au de 6. Mais est-ce que tout, en législation sportive, pas mieux et... Oui, document là. Hmm? Document là, document pourquoi acheter, j'ai beaucoup terminé. Mais là, nous avons gardé, Maître Raoul, nous avons gardé, monsieur parlementaire là, ils ont en plus, et après essayer l'équipe qui est en difficulté, après 500 000 gouttes, 200 000 gouttes, et parfois tout, c'est fou, là, vous besoin vrai, c'est pas vraiment, vous pas vrai, l'équipe là, vrai, non, c'est fou, là, vous pas acheté là. Donc, quoi que si, oui. À travers l'élection sportive, donc, que l'État mieux, tu as gagné un fonds directement qui t'a doté pour ce sport. En quelque sorte, sport, tu as gagné un sort de baptiste, mais tu as relâché. Oui, ça, c'est ce poudrage. Ce poudrage, parce qu'on poudre là, on fait la vigne blanche, il va blanchir, oui, on tombe blanchi. Et encore, c'est le ponctuel, ou bien le factuel, c'est ça, et vous le dites, c'est vous-même. Politique améliore sport. Je ne suis pas d'accord ça. C'est le ponctuel, le factuel. Tandis que moi-même, je parle là sur le structurel. Je parle sur le formel. Sur le structurel, c'est un structure pour soit bien chuté, bien cadré, bien chapanté. Et le ça, c'est à venir par la suite. Ça m'a deux boutiques. Sans plaisir. Pas un problème, n'importe quel encore on a parlé, puisque moi-même, tout disponible. Je suis là pour le service sport. Mais oui, avant d'aller, M. Raoul, avant d'aller. Et nous avons Antonio Diaz, depuis la République Dominicaine. Il dit que. Pour accompagner le club, il faut qu'il existe en Haïti par un club. C'est ça, Mdou. Le club là, il va gagner accessoire, il va gagner principe élémentaire. Fait qu'il nous dit ça, mais il y a un club qui fait effort tout en même niveau. Il y a un club qui fait effort, il y a un club, il y a un comité, il y a un terrain par lui,
et même à l'étranger, il y a un club qui peut gagner par autour. Pas comme ça. Colombie, il y a une histoire. Tant que l'on prend ASC, ou prend Violet qui a 100 ans, ou prend ASC qui c'est le doigt dans le club de football de province d'Haïti. Hein? Et c'est pas par rapport à la joie histoire, il y a deux grandes considérations qui fait, mais au niveau là il y a beaucoup là-dedans. Mais Raoul, il y a tellement de bagages pour nous parler là. Greg, avant son lot, pour même quoi que nous, notre émission, nous va parler ça. Il me fait des conditions habituelles, il faut que nous parlions de ça, comment on comprend. Habituel à voyager avec équipe, avec équipe qui a passé ce match là, dans le même moment. Ouais, t'as dit mal longtemps, on a commencé à faire une fête. Commencé à faire une fête, puisque moi, FIFA va avoir avec aussi grand, dans plus de formation, et encore FIFA. Et quand il y a un sous les habits, il y a un visa qui fait compétition dans la zone. Et il faut que par rapport à longtemps, tu comptes grave, tu dis que c'est longtemps, seulement niveau, moi, Kona, notamment aussi grand avec Thomas Delan, si vous dites que c'est Kona, Thomas Delan, c'est le président, mais aussi grand qui peut y accéder, qui peut jouer intermédiaire, il parlait lui-même, qu'il faut demander physique là pour normal après. On prend lecture à la compréhension, l'a dit je viens après. Moi, je conseillé avec aussi grand qui sont mon professeur pour lui, je suis formation déjà, moi, c'est mon qui connaît. Et pour ta, non seulement les habitants apparaissent physique normal, parce que justement, de la question de 15 tout terrain dans 10 minutes, c'est lui-même qui est commandé sur le plan international, mais il faut nous capable de maîtriser l'OA, appliquer l'OA. Et les gens ont une maturité, les gens ont mis sur le terrain, puisque le terrain football est très dangereux, très difficile. Dans le pays, ce n'est pas un problème. N'a pas une prochaine fois encore. Merci bien, Maître Raoul Achille. Bon travail. Un rendez-vous tout à fait intéressant. Et puis, donc, c'est au bénéfice auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vraiment, qui t'a suivi. Merci bien, Maître Raoul Achille. C'est ça. Bon, et c'était donc Maître Raoul Achille depuis. Un pays d'Haïti notamment, du côté de Gonaïves, mesdames et messieurs, à l'espace de Vision Sport Magazine. Dans les amis, on est capable de continuer à partager le live là, inviter des amis pour capable suivre l'émission sur la puisque c'est émission par émission qui est appréciée en pile, à savoir Vision Sport Magazine. Et, mesdames et messieurs, nous allons prendre un coup de pause à propos de côté d'Abrien pour nous retourner pour les détails dans l'espace là. Et qui c'est Vision Sport Magazine. N'a fait posant, après posant, côté n'a rien pour nous donner pour la détail, mesdames et messieurs. Ou ap chèche yon moun ou ka fè konfians nan zafè real estate, achete et vann kay sous toute forme, immigration ak income tax, mwen refere ou Dependable Realty Inc. Dependable Realty Inc, se meilleur côté pou fréquenter lè ou bezwen achete ou vann yon kay, lè ou gen problème immigration ou bagen papier ou ta remè vin yon citoyen américain. Ou règle zafè yon pou a même, se nou ki number one nan income tax service. Pa néglige kontakte nou. Monsieur Richard Mereus, alias frère Maurice, se yon expérimenté nan domaine nan. Plus se passe 25 ans de service, li fè yon license nan real estate, se yon booker dans le domaine. C'est un monde qui update sur tout dernier loyau dans la cause immigration. Faire confiance. Ou avec une Dependable Realty Inc. dans 2800 West Oakland Park Boulevard, porte 107. Infoline Office 786-484-1469. Cell phone 954-817-2650. Email rmereus42@aol.com. Pas négliger fréquenter Dependable Realty Inc. Bonsoir tout le monde, Anessa Biret toujours, Max One Compagnie Port vous a fait Obamacare Taxou. Numéro 1, Obamacare tout au bout de l'année. Nous pas camper, vous avez fait Obamacare au seul numéro 954-909-5123. Pour Anessa, c'est son taxe. Ou bien pour qualifier pour up to $6,000. $6,000 advance tax tableau. Rélez-nous sous besoin d'assistance dans ça. Ou bien si vous n'avez pas de crédit taxe doublé. Really Max One 954-909-5123. Merci en pile. Retrouvez toute l'actualité sportive en temps réel tous les jeudis soirs de 7h30 à 10h sur Saint-Louis du Nord TV.
sports réels, le football, le basketball, le tennis, le volleyball, la natation, le cyclisme, l'athlétisme, etc. Sports réels, toutes les dernières infos sur le plan local, national et international. Les résultats, les classements, tout ça en temps réel. Sur Saint-Louis-du-Nord TV avec Wilfried Boutus et son panel. Sports réels, la meilleure émission sportive du moment. Vision Sport Magazine, tous les dimanches après-midi, de 2h à 5h, sur Saint-Louis-du-Nord TV et Radio Vision FM, présenté par Wilfried Boutus et Hippolyte Jean-Mercier. Vision Sport Magazine, c'est le football, le tennis, le basketball, l'athlétisme, la natation, un résumé complet de toute l'actualité sportive de la semaine, tant qu'en Haïti et à l'étranger, avec les plus grands analystes et chroniqueurs sportifs. Tous les dimanches, de 2h à 5h, sur Saint-Louis-du-Nord TV et Radio Vision FM, avec Wilfried Boutus et Hippolyte Jean-Mercier. Vision Sport Magazine, une autre façon de présenter le sport. Mesdames et Messieurs, Pablo Massive, émission par an qui fait Vision Sport Magazine avec Zimpa Wolfrid Boutis à l'antenne. Information, mesdames et messieurs, à poursuivre. Et côté nous gagnons la information, ça, mesdames et messieurs. Si tout nous gagnons la notamment dans le championnat d'Espagne, si tout Lionel Messi, monsieur lui-même, qui arrivait marqué. C'est ça, pas un problème, Antonio Diaz, depuis République Dominicaine. Merci bien, Antonio Diaz, Zami Pano, en forme. On a profité de saluer, notamment, Dominique, nous saluons pour le PAM, depuis New York, en forme, Dominique. Très rapidement, Jacques Abdelan, Lionel Messi, monsieur lui-même. Pour 11 dernières saisons là, vraiment là qui écoulé, et surtout nous gagnons Lionel Messi, monsieur là qui marqué, on a fait de 30 goals dans toute compétition confondue, et Messi lui-même vraiment là chaque année pour équipe Pedro Floriska en forme Antonio Diaz, merci bien. Oui, n'a pas les amis capable de continuer à partager live là. Jean-Claude Tabdilan, Lionel Messi, monsieur lui-même là. Qui marque 30 goals, monsieur, qui score 30 goals dans toute compétition confondue, vraiment là dans 11 dernières saisons là, pour équipe FC Barcelona, monsieur lui-même vraiment, chaque saison, monsieur lui-même qui toujours marqué plus que 30 goals, et monsieur lui-même qui était arrivé marqué hier, monsieur lui-même qui était arrivé marqué l'unique but dans un compte FC Barcelona des jeux, mais donc capable de dire que monsieur lui-même vraiment. Qui n'a un mauvais moment, et surtout, monsieur qui rate ton pénal, et puis donc, qui était grâce aux occasions, peut-être capable de marquer, même monsieur lui-même, vraiment là, Jean-Claude Abdelan là, qui a traversé une mauvaise passe, vraiment là, sur ça concerne un pénalité, vraiment là, mais monsieur, sauf monsieur lui-même, vraiment là, qui continue à marquer pour équipe FC Barcelona, monsieur lui-même, vraiment là, non. En saison là, il est collé avec l'autre, en saison d'affilée, vraiment là, il a marqué au moins 30 goals pour l'équipe FC Barcelona dans toute compétition confondue, mesdames et messieurs. Et surtout, goal qu'elle était marqué pour l'équipe Valladolid là, vraiment là, son performance qui est vraiment tout à fait et intéressant. Chaque saison, M. Lemaire qui est toujours à scorer, et M. Lemaire vraiment là qui est habitué et fait là, vraiment là, et M. Lemaire qui continue à marquer pour l'équipe. FC Barcelone, nous avons là Antoine Griezmann lui-même, vraiment là, qui a fait partout là. Antoine Griezmann, c'est lui-même qui est arrivé à marquer 130 goals là, pour l'équipe Atlético Madrid là, et François lui-même, qui était arrivé bien faire, et lui-même, qui dépassait Fernando Torres, vraiment là, notre classement meilleur buteur de l'Atlético Madrid, côté hier. Et devant l'équipe Rayo Vallecano, côté Antoine Griezmann, t'es arrivé marqué 130e goal là avec l'équipe AT Madrid là, il passé emblématique continue ensemble lui-même en parlant de Fernando Torres. Mais Antoine Griezmann depuis
2014, il est arrivé en dans équipe à Théma Dylan et il s'est lui-même un peu chaque saison il s'est lui-même un peu plus là en inscrit dans les là dans les jeunes clubs là lui-même et il était arrivé faire et c'est lui-même qui te permet à équipe à Théma Dylan tu arrivé faire victoire grâce à Gonsa lui-même Antoine Guzman j'ai qu'un table là il dépasse le fin de Torres qui t'a marqué 129 goals là mais nous gagnons là. Et Michel lui-même qui a un petit travail pour faire là pour arriver et dépasser Luis Aragonés. Luis Aragonés lui-même qui fait ancien sélectionneur de l'Espagne. Et Luis Aragonés, monsieur qui était marqué 172 goals pour l'équipe à Théma Dylan. Fernando Torres qui est en 5e position. Et Ligue notamment gagné la Rosé et Oulonjo, Michel lui-même Garate qui a marqué 135 goals. Ou bien Paco Campos. Qui marque 54, donc il y a Adrien Escudero qui marque 169, mais le Saragonien, c'est lui-même qui marque 172. Côté Antoine Guzman, vraiment là, et il y a un contrat avec l'équipe Théma Dylan. Il fait en 2023, c'est lui-même vraiment pour le gars là, pour le fond parcours là, pour l'Ouest Irrévable, arrivé, égalisé, le Saragonien, mesdames et messieurs, qui marque 172 goals sous un couleur équipe continue ressent les mêmes vraiment mesdames et messieurs n'a prêté pour nous tendre aussi vraiment pour nous connaître est-ce que Antoine Guzman lui-même va continuer marquer un point là et monsieur lui-même vraiment là qui a fait les là n'a prêté pour nous tendre pour nous suivre vraiment et nous connaissons parfois ou connaît jouer lui-même à bien faire quelqu'un verri confort pas nous depuis pays d'Haïti lui-même quelqu'un verri en forme nous saluons mon ami en forme bonne écoute quelqu'un veut y rien d'abdelan là fin d'autre reste lui même pour le gars là pour le continuer marquer mais c'est qui lui même à 130 goals et la brigue pour marquer 42 goals là et pour capable rejoindre Luis Aragonés lui même qui fait ancien buteur équipe ça et qui donc qui gagne record ça mais Antoine Guzman qui gagne contre aller là avec équipe ça nous parlons de temps pour nous connaître la première salle Mita Boutis Cousine Panon qui belle et bien connectée, Génial Boutis, nous saluons nous toutes, c'est ça, nous avons besoin de continuer à partager l'émission. Bon, et en tout cas, Antoine Guzman qui continue à faire outre là, dans d'autres informations, mesdames et messieurs, et dans d'autres, c'est ça, merci bien, Mita Boutis, Cousine Panon. Bon, dans d'autres informations, nous avons là, et Diego Simeone, nous savons qu'on est que, par contre, qui ont été arrivés gagnants là, c'était donc un match qui était très difficile. Mais il était arrivé et en faire victoire ça c'est tout c'est ça merci bien et quelqu'un verre c'est ça très bien championnat national là vraiment il n'est pas pourvu pour être là pour 23 février encore et il n'est pas pourvu pour 23 encore et vraiment là c'est une dernière information vraiment là nous gagnons concernant des championnats du championnat national de la première division dans le pays d'Haïti lui-même côté championnat lui-même il n'est pas pourvu 23 février encore. Kéké, pourquoi on date qui prévu Kéké? Est-ce que pourquoi on date qui prévu pour le championnat lui-même? L'ouvre pour lui, Kéké veut. Et en quelque sorte, Kéké veut, monsieur lui-même, vraiment là, qui a travaillé d'AHP, et monsieur lui-même, c'est un membre de la Chafop. Vraiment, est-ce que ça? Bon, est-ce que pourquoi on date qui prévu là, Kéké veut pour le championnat lui-même? Li ouvre porte li quelqu'un veut ou capable en quelque sorte depuis une grande date qui prévoit là ou capable faire nos signes quelqu'un veut merci bien championnat national là de la première division week-end qui a venir là il pas pouvoir partir là puisque là nous connaît que à les deux problèmes politiques là les mêmes à travers le pays là et nous connaît que l'étape vraiment difficile vraiment pour le championnat les mêmes t'as à ouvrir porte li là puisque que certaines équipes vraiment là qui pas même fait une seule séance d'entraînement et le cas de du Racing Club haïtien et son seul entraînement quoi que Racing fait et puis l'autre équipe vraiment là et pas même des chances pour arriver préparé là il a vraiment difficile et surtout gens qui n'ont pas des pays là ok c'est ça et demain si Dieu veut là il y aura petit à sur une nouvelle date c'est ça merci bien confort par nous quelqu'un verri merci bien quelqu'un et ça l'est là pour être pour moi chez deux en forme mais c'est mon bagage c'est la bonne équipe c'est ça bon et en tout cas là et championnat national là lui-même si tous ces équipes là nous déjà connus c'est Cavalier Don Bosco Cosmopolite Racing Club Haïtien Violette America Baltimore AKFC FICA AFC Triomphe
Racing Football Club de Gonaïve, AS Mbalè, Wanamet, Real Dicap, c'est ces équipes là qui a gagné là pour jouer nouvelle saison là. Mais demain, championnat lui-même, les papes ouvrent pour lui là, week-end qui a venu, qui date 23 février là. Et écoutez, ils vont pas le visiter là, c'est une nouvelle date, mais c'est demain si je veux. Et nous parlons qu'on est là, qui date, qui peut vivre là, pour le championnat lui-même, capable de demain. Puisque nous connaissons qui parle gagner la Gold Cup. Et surtout, gagner un match Haïti qui bat lui-même vraiment là. Et selon les dernières informations que nous avons concernant de mon rencontre ça, mon chat lui-même, vraiment là, écoutez la CONCACAF, écrit Fédération lui-même, pour capable de chercher un autre pays, un autre stade, vraiment. Et pour Haïti lui-même, capable de jouer avec qui? Puisque nous connaissons que match Haïti lui-même, vraiment. Ce match qui est capital qui est lié pour Haïti. Ou bien sûr, non, Romeis depuis Queens. Et nous saluons, ou bien sûr, Romeis, nous, ça fait longtemps, Robinson. Oui, c'est ça. Et Jacques Ndabdilala, puisque le championnat national, là, c'est pour une autre date qui a pris pour venir là, mais c'est à partir de demain, c'est-à-dire, nous ne connaissons pas qui date. Et le championnat n'a pas ouvert pour nous. Nous avons parlé de sélection haïtienne elle-même, côté de jouer 24 avec Cuba. Mais en concernant lui-même, vraiment là, selon les dernières informations que nous gagnons, écoutez, la CONCACAF écrit Fédération elle-même, vraiment, puis capable de chercher un autre terrain, vraiment là, un autre pays, vraiment, pour en concernant lui-même, capable d'arriver à jouer. Bon, en tous les cas là, si Haïti lui-même arrive, game à lui-même, la montée dans la première ligue, là, qui c'est la Ligue A, et en tous les cas, nous parlons de et vraiment, et les deux heures d'affaires dans le pays là, et si on va mettre tête ensemble, et par le pays là, ça vraiment là, capable de. Handicapé, espoir lui-même, et surtout nous connaissons espoir lui-même, vraiment là, et donc c'est cet espoir vraiment qui est capable de mettre le pays à son nouvel rail. En quelque sorte, nous prétendons pour nous connaître vraiment comment ça va aller. Nous profitons de Nezouye et Alsk, vraiment là, c'est jamais lui-même qui est belle et bien connecté. Bon, et dans d'autres informations, mesdames et messieurs, ça c'est tout gagné. La Ligue des Champions qui te joue au cours de semaine là. Et surtout nous avons gagné la équipe AS Rome, eux-mêmes qui avons arrivé et imposé devant l'équipe Porto 2 goals à 1. Et côté goal équipe Porto lui-même, il marqué là à l'extérieur, il est capable de coûter l'équipe AS Rome là cher. Et vraiment là, qui peut un goal à 0, Porto lui-même capable d'arriver qualifié pour les quarts de finale. Mais n'a pas le retour pour nous connaître vraiment comment ça va aller. Et dans l'autre compte qui était gagné, c'est toute équipe Paris Saint-Germain lui-même, à l'extérieur, il est arrivé à faire une importante victoire au dépens de l'équipe Manchester United là. Et surtout Edja Di Maria, Michel lui-même qui était délivré deux belles passes contre Tabalé, Kimpembe et puis donc Mbappé. Mais ça voilà vraiment qui est arrivé marqué pour l'équipe. Paris Saint-Germain collectivement, équipe Paris Saint-Germain lui-même qui te répond malgré l'absence de Neymar et Edison Cavani, équipe Paris Saint-Germain lui-même qui avait fait une victoire, ça son victoire qui tout à fait intéressant côté équipe Manchester United là lui-même sous la houlette Gona. Vraiment là, et depuis que départ de Mourinho, nous avons pris là, c'est de faire ça lui-même. Vraiment là, c'est une défaite qui est vraiment lourde pour l'équipe Manchester United. Non? Et nous connaissons dans le championnat lui-même, et ils prennent figure là, ils prennent scampio là, dans le championnat Premier League là. Mesdames et messieurs, en tous les cas, et le 5 mars, nous parlons qu'on est vraiment là. Est-ce que l'équipe Manchester United là, lui-même, il va rien là pour le faire montada? Et nous parlons de nous connaître comment ça va aller. Puis donc, dans l'autre rencontre qui était arrivé jouer, et surtout nous avons gagné équipe Tottenham là même qui t'a arrivé imposé devant équipe Borussia Dortmund. Là, on a fait de 3 goals à 0. Surtout malgré l'absence de Harry Kane ensemble avec Dele Alli et Messi là vraiment là qui blessé qui pas présent pour l'équipe Tottenham là, mais monsieur Pochettino là vraiment il arrive à faire victoire ça, et victoire ça lui-même qui tout à fait intéressant pour l'équipe Tottenham vraiment, et équipe Tottenham là lui-même qui était arrivé battre 3 goals à 0. Et bon,
équipe Borussia Dortmund là et malgré dans championnat d'Allemagne là, il y a contre le championnat ça, mais dans Ligue des Champions là, vraiment il y a baissé bas devant équipe Tottenham de l'Angleterre. Mesdames et messieurs, puis dans l'autre rencontre qui était gagné, équipe Real Madrid là en déplacement, t'as arrivé faire une importante victoire au dépens de Ajax de la Hollande. Un compte qui était arrivé terminé 2-1. Mesdames et messieurs, pour équipe Real, mais c'était un compte vraiment là qui était gagné en pile palais. Et c'est tout le monde qui était avant tout, c'est tout le monde qui est pour équipe Real. C'était Karim Benzema qui était marqué à la 60e minute de jeu. Et vous avez gagné là Zeyek qui avait une égalisation pour équipe Ajax. Et nous avons gagné tout Marco Asensio, monsieur lui-même qui t'a permis à l'équipe Real lui-même de faire une victoire. Ça. Mais dans le cours ça lui-même, vraiment là, c'est tout. Il va en termes vidéo. Assistance refouillant lui-même, vraiment là, qui t'a fait apparition là dans les 8e de finale. Et c'est tout, c'est pour saison prochaine qui on prévoit pour va lui-même ta capable effectif, mais officiellement, vraiment là, pour les 8e de finale là, il a commencé avec vidéo assistance refouillant lui-même. Côté une tabal gagné là, il y a un goal, équipe Ajax lui-même tabal arrivé marqué, mais Abidjan lui-même vraiment qui va valider. Gosa lui-même, côté Yuna joué Ajax vraiment était en jeu. Et t'es gagné Tagliafico, monsieur lui-même qui était fait coup de tête là, t'as pas fait goal là pour l'équipe Ajax là. Mais Gosa lui-même t'as pas annulé. Et côté t'es gagné entraîneur équipe Ajax lui-même, il était boudé, il était fâché et surtout. Et Yuna assistant fait qu'on est que t'es gagné faute sous gardien. Hein. Et Abissandia l'a dit que t'es gagné en jeu. Et Abid Assistant lui-même, il fait qu'on est que, et t'es gagné une sorte de faute sous gagné. Hein. Et ça nous fait pile parler, vraiment là, pile polémique, vraiment, t'es arrivé. Et puis donc, il y a Sergio Ramos, lui-même, vraiment là, qui était recevoir un avertissement, quelque sorte, un carton. Et côté Sergio Ramos, lui-même, dans la zone de mix, il fait qu'on est que, vraiment là, c'est esprit qu'il était fait, pour lui prendre carton ça lui-même, juste. Pour pas arriver jouer non rencontre qui a venu côté l'UEFA même vraiment là il a ouvert une enquête sous dossier Sergio Ramos mesdames et messieurs qui est capitaine équipe Real Madrid mesdames et messieurs non d'autres informations toujours dans l'espace là c'est tout nous parlons de rencontre dans la Ligue des Champions là et à partir de Madi a pas gagné rencontre qui pas gagné là pour jouer c'est tout n'a gagné on a fait de équipe qui est Liverpool là avec Bayern Munich et n'a gagné équipe FC Barcelone même a gagné pour jouer avec équipe FC Lyon mesdames et messieurs c'est un compte qui pas tout à fait intéressant puis donc le 20 février là côté AT Madrid qui va gagner pour jouer avec Juventus. Il a pris Schalke 04 qui a pris contre avec Manchester City. Mesdames et messieurs, mercredi qui a venu là dans ce qui concerne les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, très rapidement, nous avons la FIFA eux-mêmes qui
informez-nous concernant le dossier Mercato Hivernal. Côté Mercato Hivernal, les mêmes qui étaient arrivés, fermés portes là. Et côté nous avons affaire de 570 millions d'euros qui étaient dépensés dans 5 grands championnats européens là. Selon la FIFA, les mêmes 570 millions d'euros étaient dépensés par club 5 grands championnats européens là, dit en Mercato Hivernal. Côté nous gagnons 5 grands championnats là, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie. Vraiment là, ils étaient arrivés déboussés là, on a fait de 570 millions d'euros sur le marché, transfert les mêmes. C'est ça que FIFA les mêmes, ils ont révélé, nous avons pas là, et il faut qu'on ait que, on a fait de, c'est la représenter vraiment là, et on a fait de 59,1% de montant global transfert qui est réalisé entre 1er et 31 janvier qui était écoulé à là, et puis donc il va attendre à faire 1 milliard 9 millions de dollars, et c'est ça que FIFA a même précisé, c'est que ben ils ont enregistré tout transfert là via base transfert matching système là, c'est TMS là, par rapport à période et année passée là, côté volume là lui-même il a augmenté 6,4%, mais quand on a payé la France, on a fait de 84 500 000 euros qui dépensaient en France. L'Angleterre lui-même, c'est le pays qui plus dépensé durant Mercato Hivernal lui-même, avec une enveloppe de 178 200 000 dollars américains, et montant ça lui-même vraiment là, il a diminué de 65% par rapport à Mercato Hivernal lui-même en 2018 là. Et vraiment 2018 qui est toujours considéré comme un record. Mais l'Italie lui-même, vraiment là, qui est en deuxième position. L'Italie qui est en deuxième position. Et j'ai été dépensé là, on a fait de 54 600 000 dollars. Et au gain là, l'Allemagne lui-même, qui est en troisième position, 112 500 000 dollars américains. Au gain l'Espagne qui est en quatrième, j'ai été dépensé là, on a fait de 112 millions de dollars. Et la France lui-même, qui était arrivé dépensé, on a fait de 95 millions 4 000 dollars américains, et au total tu as fait de 160 dans ça concerne 212 fédérations qui membres de la FIFA vraiment là non machin tu en fais elle-même vraiment là, et c'est ça que fédération internationale de football elle-même, c'est la FIFA elle-même, nous fait nous connaître mesdames et messieurs. Tous les cas là, et là j'ai fait club y a dépensé, et surtout gain droit de télévision qui a été dans cause là, je suis capable de faire autre chose. Mesdames et messieurs, nous parler très rapidement dans l'autre information, mesdames et messieurs, et surtout nous gagnons Diego Simeone Michel lui-même qui prolongeait contrôler là avec Diego Simeone lui-même qui prolongeait contrôler avec équipe Atlético Madrid là, Diego Simeone lui-même qui prolonge contrat jusqu'en 2022 Diego Simeone dans tête équipe Atlético Madrid là, côté Diego Simeone, monsieur le début pour équipe là vraiment là, et monsieur lui-même vraiment là qui gagne un championnat et qui gagne des coupes qui tout à fait intéressant pour Diego Simeone, on rappelle que Diego Simeone, monsieur lui-même, vraiment là, depuis que il est en tête équipe Atlético Madrid là, lui-même, vraiment là. Et monsieur lui-même qui prend équipe là, lui-même, en décembre 2011. Et depuis là, monsieur lui-même qui continue à faire victoire. Écoutez, les dirigeants ont fait de 412 matchs. Dans 412 matchs là, et monsieur lui-même qui remportait le championnat d'Espagne en 2014, une Coupe d'Espagne en 2013. Deux Ligues Europa 2012 et 2018. Ils ont remporté deux Supercoupes d'Europe en 2012 et 2018. Et bien donc, ils étaient double finalistes dans ça et concerné de la Ligue des Champions. Et eux-mêmes, vraiment, qui étaient tombés devant l'équipe Real Madrid 2014 et 2016. Mesdames et messieurs, et Diego lui-même, vraiment là, qu'il est jusqu'en 2022 avec l'équipe. Et Atlético Madrid là, mesdames et messieurs, dans l'autre information, et nous avons là notamment entraîneur, ancien entraîneur qui est là les mêmes Olian, Olian monsieur lui-même qui a plein là, il fait connecter, il n'a pas gagné assez de temps
pour être dans tête équipe dans tête équipe Real Madrid là lui-même c'est pour ça lui-même il pas arrivé faire victoire quel état de fait avec équipe là il fait qu'on est qu'elle était voulu pour te gagner plus de temps mais équipe ça là vraiment là pas arrivé par équipe Real là pas arrivé par temps et simplement Michel lui-même qui était passé 4 mois et demi comme entraîneur au Julian Lopetegui et dans tête équipe Real là et on équipe Real lui-même vraiment là qui était craqué dans mes là et pour Jean Julian te quitter équipe sélection d'Espagne là les mêmes tout et vraiment là et ça t'écoute mais c'est très cher tout et à la veille de Coupe du monde vraiment là on va négocier et à côté vraiment là et on a profité ça les Widoff Nemo Widoff Nemo nous allons boire la pam Nixon Pierre depuis Nassau Bahamas et donc il y a Edouard Beauvais depuis New Jersey qui belle et bien connecté c'est ça. Nancy Guerrier, nous saluons Nancy Guerrier. Bon, et j'ai regardé de là, Julian, pour Jean qui était quitté équipe sélection d'Espagne là, lui-même, vraiment là. Et monsieur lui-même, vraiment là, sans faire ce qu'il va payer. Et monsieur a négocié à côté, au lieu pour dire équipe Real, la tente Coupe du Monde en fini. Et puis donc, n'a pas parlé. Bon, monsieur, quand il a négocié à côté, et puis donc, monsieur dirigeant Fédération Espagnole là, vraiment, il n'y a pas de perte de temps. Puis j'ai été révoqué, monsieur, dans la tête, équipe espagnole, mesdames et messieurs, Olian, vraiment là, qui regrette là. Et monsieur, première fois, il est bon la parole. Monsieur, bien là pour le club capable tant de l'aller là, et surtout, il a fait un pile l'heure de championnat d'Angleterre là. Et vraiment là, monsieur, bien font l'autre bagaille, c'est ça. Widoff Nemo, en forme, vous n'avez pas, nous salons, mon ami. C'est ça. N'a pas des amis capables de continuer à partager live là, inviter des amis vraiment pour capable suivre l'émission. C'est jeudi à là et nous avons un petit problème technique avec website Senior TV à lui-même. N'a rien pour arranger ça, mais nous vraiment live sous celui du nom sous WeFoot Boutique là, mesdames et messieurs. Et nous là, sauf là, c'est là, paix. Allez, Jean-Louis, Aladé, Jean-Louis, voilà un ami Pam, nous saluons. Et Alain Jean-Louis, nous saluons, bois les pommes, ça fait longtemps. Et mon ami, nous saluons, bois les pommes. Alain Jean-Louis, qui belle et bien connecté. Et avec nous, nous saluons, mon ami. C'est ça. Et Jacques Abdullah là, et vraiment, l'offre mal, c'est la WAPE. Et c'est la WAPE, vraiment là, et nous gagnons là, et notamment. Odin démarrer lui-même qui belle et bien connecté avec nous là depuis République Dominicaine. Nous saluons Odin démarrer. Et puis donc nous avons Antonio Diaz, Willy Zami Pano, nous saluons mon ami. Très rapidement, les avancés sur nous, vraiment. Et surtout nous gagnons là, et l'autre entraîneur qui parlait, surtout nous gagnons là, Colombien lui-même, et Osorio, monsieur lui-même qui, c'est ça. Bon, c'est là, nous allons finir là, Odin, c'est ça. Et bon, moi j'ai un petit bail quand même, moi j'ai un gâté, hein. Et donc, il y a Osorio qui fait entrer dans l'équipe Paraguay, lui-même, monsieur lui-même, vraiment là, qui démissionnait dans tête, équipe Paraguay, lui-même, Osorio, monsieur lui-même, vraiment là, qui avait quitté ça, et Colombien lui-même, Juan Carlos Osorio, monsieur qui démissionnait dans tête, équipe Paraguay, lui-même, alors qu'il était occupé pour ça, lui-même, depuis, simplement 6 mois. Et quand j'ai sélectionné Paraguay, lui-même, vraiment là, les présenter deux missions là, au cours de ce maintenant, lui-même. Et puis donc, depuis nomination mission là, en septembre 2018, et mission lui-même qui était dirigé au seul match avec l'Afrique du Sud, il était arrivé fait match, il y a un goal partout, et mission lui-même qui, technicien colombien lui-même, vraiment là, et qui démissionnait, et mission lui-même qui a entraîné équipe Paraguay, qui a mis équipe mexicaine. Et qui était quitté Mexique, qui t'a le point équipe Paraguay là, mais Michel lui-même vraiment, il n'est pas arrêté. Et nous connaissons que Paraguay même vraiment par l'engagé dans ça qui concerne, Copa América, et puis donc et pour Coupe du Monde 2021 là, côté monsieur là, Paraguay là, pour chercher, il y a l'autre entraîneur pour capable diriger équipe ça. Mesdames et messieurs, nous gagnons la patron MLS dans lui-même. Qui c'est Don Gabriel Michel lui-même vraiment là qui prolonge contre lui avec équipe avec en quelque sorte avec Merlix Sacré lui-même et monsieur américain lui-même vraiment là depuis 99 lutte pour Merlix Sacré lui-même qui c'est MLS là
et monsieur lui-même qui prolongeait jusqu'en 2023. Et Don Gaber, monsieur lui-même fait connaître que vraiment la continue de travail et monsieur qui était donc ancien officier de la NFL, qui est National Football Américain pendant 16 ans. Et monsieur lui a gagné 61 ans et lui permet à l'équipe en quelque sorte, mais les sacs qui allaient même vraiment là progresser. Et surtout, monsieur lui-même qui gagnait là, notamment, on a fait de l'été pour l'équipe en 99. L'été pour l'équipe, mais les sacs qui MLS là, en 1999, l'été pour l'équipe ça. Et depuis lors, l'équipe a grandi. Maintenant, c'est 27 équipes qui gagnent maintenant. Et gagnent a fait de. Il recrute 25 nouveaux propriétaires et il développe 19 stades de football à travers les États-Unis et le Canada. C'est ça que Merle Saki a lui-même. Il fait connaître, mesdames et messieurs, pour Don Gaber qui prolonge contre lui avec la MLS. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de continuer à partager le live. Et nous parler très rapidement dans ça qui concernait. Avant tout, nous avons José Mourinho là tout. Et qui recevra plus de Claude Bernard, depuis République Dominicaine, mon ami. Nous saluons Claude Bernard. Et Claude Bernard, en forme, ami Pape, nous saluons. Et nous saluons tous les messieurs, Radio Énergie Plus. En forme, Claude Bernard. Ça va. Nous avons José Mourinho là, monsieur là, qui, pendant qu'elle quitte l'équipe Manchester United là, l'écoute équipe Manchester United là, plus de 20 millions. Et mesdames et messieurs, José Mourinho lui-même est très intelligent. Depuis qu'il a signé le contrat avec une équipe, il met quelque chose dans la clause libératoire. De pouvoir y aller, on va les cobli. C'est ça que, vraiment là, José Mourinho, monsieur lui-même, vraiment là, et monsieur United, vraiment là, et il a dépensé là, on va faire de 20 millions d'euros, et pour être capable de libérer José Mourinho. José Mourinho lui-même, il font fortune, non, ça est concerné. Depuis où vous voyez aller, l'affaire Cobla, et c'est très intelligent. Et make sure, il signe des clauses. En cas que si Cobla lui-même décide, vous pouvez y aller. Et côté lui-même, l'affaire Cobla, Jean et Rochéry, et toujours dit là lui-même, José Mourinho quitte l'équipe Chelsea, révoqué dans l'équipe Chelsea, Manchester United, Real, vraiment là. Et monsieur, on a fait de plus de 60 millions d'euros, mesdames et messieurs. Rudolf, gros l'argent qui a parlé là, et José Mourinho là, de vous voyez aller, et monsieur lui-même, vraiment là, Rudolf, de vous tomber dans l'affaire, de rappeler là, connaît, monsieur sur route, puis vous voyez aller, puis capable de faire comme là. José Mourinho là, vraiment là, et c'est Special One là, lui-même, vraiment là, qui vraiment intelligent. C'est ça, pour en Haïti, mais nous ne pouvons pas parler. Bon, il y a quand même aussi de vous entraîner les Ovelés, depuis Paris championnat, depuis l'équipe en vacances, et entraîner les joueurs ou pas touché. Anyway, bon, José Mourinho va en parler comme ça. Anyway, on allait vite pour nous faire la ronde de stade pour nous capables de retirer nous là. C'est ça, et surtout nous gagnons championnat de Spy là, lui-même vraiment là, qui a fait petit bon de chemin, et surtout. Et nous gagnons la équipe Petit Séville à l'inverse, eux-mêmes, qui était arrivé faire match, ni le, Yungol partout, ils étaient arrivés faire, dans le championnat de Spyland. Et nous gagnons la équipe Villarreal, fait tomber FC Séville 3 goals à 0. Et équipe Valence, Espagne de Barcelone, Zoubi partout, Journée Real, Madrid 2 à 1, Real, et même vraiment là, qui tombé. Je veux dire là, devant équipe jaune à 2 à 1, la Caillou, mesdames et messieurs. Stoani, lui qui était marqué, et puis donc Christian, un poteau qui était arrivé marqué pour équipe jaune à, vraiment là, et Real qui tombait, je veux dire là, mesdames et messieurs. Adé, nous saluons. C'est pas seulement qui était Real Valladolid, Yungol à 0. Real, la Sociedad, les gagnants, 3 à 0. On va les canaux à Témadi, Yungol à 0. Get en Santa Vigo, Levante, 4 goals à 1 pour équipe. Levante en Barcelone, 54. À Témadi, 47. Real Madrid, 45. En 3e. Et puis donc, et classement bitéen, Lionel Messi avec 22 goals. Luis Suarez, 15 goals. Mesdames
Demese, widof di, widof ne moun di ke, Real renfe. Real se renfe. Anyway, y ap renfe, bon konen. Yo te fin fon parkour dan ligue, e ap pon un bel semen, si tou te fè machin, avec Barcelone, Albat, ekip Ate Madrid, Albat, ekip Ajax, bon, an tou le ka la, yo tombe jodi a la, yo fatigue, yo fatigue, e vraiment, Messi lui-même qui s'est mis à habiter pour le championnat, c'est avec 22 réalisations. Non, championnat d'Allemagne, mesdames et messieurs, on a parlé vite pour nous terminer. Balva Koussen, Fontana Doucelle, 2-0. Il faut Foufouot, Bochard, Chengabak, Yungol Patou, Eta Belé, Verde Bohème, Yungol Patou, Wolfsburg, Mayans, 3-0. Sugat, Leipzig, 3-1. Offenheim, Hanov, 3-0. Schalke 0-4, Fribourg, 0-0. Et puis donc, Guinée, équipe. Babi qui dépend avantage au dépend de qui pour Osborne, 3 goals à 2. Dortmund en tête, 50 points. Mais Dortmund qui a gagné pour jouer demain si tu veux raconter 2-30. Dortmund qui gagne 50 points. Ou gagne Bayern Munich 48. Bon, ça, Mönchengladbach avec 43. Ou gagne Leipzig en 4e avec 41 points. Mesdames et messieurs, championnat de France dans lui-même. Équipe qui relève. Paris Saint-Germain eux-mêmes qui souhaite battre équipe Saint-Étienne un goal à 0, OMC Wens 2-0. C'est ça. C'est ça. Merci bien Rudolf Nemo, c'est ça. Merci bien. Jacques Abdillan. Équipe Paris Saint-Germain lui-même qui bat équipe Saint-Étienne un goal à 0. C'était Kylian Mbappé qui était arrivé marquer l'unique but de la rencontre, mesdames et messieurs. Et OMC Wens 2-0. Bordeaux Toulouse 2-1. Lille Montpellier Zobi Batou. Quand Strasbourg, Zobi Batou, Monaco, Nantes, Yungol, à 0, équipe Angers lui-même, qui bat équipe Nissan, on a fait 3 goals, à 0, Marseille, Amiens, 2-0, classement, Paris Saint-Germain en tête, 62, Lille, 50, Lyon, 46, et puis donc nous avons Marseille, qui est en 4e position avec 40 points, mesdames. Je monsieur, n'a pas quitté le championnat de France, mais avant tout, Kylian Mbappé, c'est lui-même qui met habité pour le championnat ça, avec 19 réalisations, Edison Cavani, avec un total de 17 goals, mesdames et messieurs, championnat d'Italie, mesdames et messieurs, dans le championnat d'Italie, lui-même, le championnat lui-même, qui a fait petit bonhomme de chez Medila, et si tout nous souhaite une rencontre qui se joue là, Naples, Torino, Zobi Batou, Inter de Milan, Sampdoria 2-1, Genoa, Lazio de Rome 2-1, Udinese, Chiovero, Yungo, Lazio, Empoli, Sassuolo 3-0, équipe Fiorentina, fait tomber, Spalfera 4-1, Milan, c'est qui était pour Avatar, au dépend de Atlanta, Bergame 3-1, Cagliari, Parme 2-1, Juventus, Yomem, qui en tête, avec, Juventus qui en tête avec 66 points, ou gagne Naples 53, Inter de Milan 46, Milan AC qui gagne 42 points, mesdames et messieurs, non, championnat ça, il y a un championnat d'Italie lui-même, dans le cadre 24e junior lui-même, qui était arrivé jouer, mesdames et messieurs, bon, tous les cas, c'est concernant lui-même, ça y est, pour n'a pas appliqué, je veux tout ce même, qui était déjà joué match avancé là, si tu veux pas gagner Ligue des Champions, tu étais déjà joué match avancé là, et si tu veux te battre et qu'il faut Sinonia, 3 goals à 0, côté au gain, on le dit, bah là, Bonici lui-même et Cristiano Ronaldo, mais c'est vrai qu'il était arrivé marqué pour équipe Juventus. Mais habité, hein, c'est Cristiano Ronaldo avec 19 réalisations. Piatek, qui a joué en dans équipe Milan AC, hein, qui marquait 17 au gain. Zapata, Atalanta, Bergame lui-même, qui marquait 16 goals dans le championnat AC là. Bon, nous capables là, et championnat vraiment là, qui a fait petit bon de chez Meyola, et surtout, gagné là, par été 14 journées pour championnat ça lui-même, les bouts, mesdames et messieurs, surtout, c'est dernier, ligne droite là lui-même, qui est lié pour championnat, et au PO, mesdames et messieurs, nous parlons connaître vraiment, quelle équipe qui parie pour soulever, étoffer, dans fin. Saison, hein? Mesdames et messieurs, non, Capabuela, on a pris l'Angleterre, il est même, c'est tout, donc il y a une Coupe d'Angleterre, et c'est tout équipe, Messieurs City, eux-mêmes, vraiment, qui avançait pour les quarts de finale, eux-mêmes, vraiment là, qui était arrivé fait,
victoire sans problème, mesdames et messieurs, dans ça qui concerne Coupe d'Angleterre, équipe Manchester City, même qui était tout à fait intéressant hier, côté qui ça lui était arrivé jouer et il était arrivé imposé devant l'équipe Newport là, et Newport continue à lui-même. On va faire de 4 goals à 1, mesdames et messieurs, et c'est tout le bargain là. Équipe Manchester City qui va gagner pour moi côté avec Schalke 04 dans 5 concerné, Ligue des Champions, 8e de finale. Allez, et puis donc nous avons l'équipe Brighton même qui qualifié pour les quarts de finale. Il était arrivé à battre l'équipe Derby Continent. On va faire de 2 goals à 1. Mesdames et messieurs, côté même, équipe ça même, ils ont vraiment là qualifié pour les quarts de finale. Dans 5 concerné, Coupe d'Angleterre, mesdames et messieurs. Et puis donc, dans l'autre information, c'est tout, nous gagnons la Emirates Cup là, les mêmes vraiment, qui sont soutenus les mêmes en Bolton 4-1. Doncaster Rovers, eux-mêmes qui tombent devant Crystal Palace 2-0. Équipe Bristol City, eux-mêmes qui battent équipe 20 ans. Ils tombent devant l'équipe 20 ans. Ils ont goal à 0. Dans ça, ils concernent Emirates Cup là, les mêmes qui se coupent d'Angleterre. Mesdames et messieurs, puis donc dans NBA là, si tout nous gagne là, pas gagne là, on sera game qui parle pour fête dans la Connaught Carolina, et si tout parle gagne là, Team LeBron, lui-même, qui parle pour jouer avec Team Gianni Antetokounmpo, et c'est un sera game qui va tout à fait intéressant, mesdames et messieurs, et surtout les grands ça, surtout on parlait de Marco Jordan, on parlait de Magic Johnson, et on parlait de Alan Iverson, vraiment là, et puis donc Cameron, John Stockton, mais ça vraiment qui était tout à fait intéressant, mesdames et messieurs, dans ça qui concernait All-Star Game. All-Star Game là lui-même, vraiment là, son compétition lui-même qui est tout à fait intéressant, ces moments de retrouvage, au moment pour tous les joueurs vraiment là capable de retrouver là, c'est plaisir, vraiment. Mais là, on a regardé l'équipe Le Bon Diem là, et l'équipe Le Bon Diem lui-même qui est tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Le gars de l'équipe Le Bon Diem là, qui gagne là, Le Bon Diem, qui c'est capitaine de l'équipe ça, qui parle donc Joël les caisses avec numéro 23, qui parle c'est lui-même qui a dirigé l'équipe ça, et on gagne là, Kevin Durant, c'est lui-même 10 fois All-Star, c'est lui-même qui fait donc, qui est back-to-back MVP final dans NBA, et Jim Harden, c'est lui-même vraiment là, et c'est 7 fois les All-Star qui fait partie de Le Bon Diem qui a vu dans Houston Rockets. Mais Kerry Irving, 6 fois All-Star. Et monsieur lui-même, vraiment là, qui a vu pour l'équipe Boston là, lui-même. Qui fait donc All-Star MVP 2012, qui était Rookie of the Year. 2014, monsieur qui était All-Star MVP. Et puis donc 2012, il était Rookie of the Year. Et Le Bon Diem, monsieur lui-même, qui fait Captain là, lui-même, 15 fois All-Star. Et puis donc, 4 times. 4 fois MVP, et puis donc Twitter All-Star MVP, mesdames et messieurs. Kyle Leonard, monsieur lui-même, qui fait donc 3e fois All-Star, 3e All-Star là, et 2014, 7e final, final MVP, et puis donc il était 2 fois qui a défoncé of the year, défenseur de l'année, en quelque sorte, c'était donc en 2014 là, et Kyle Leonard, le regard et Team Le Bon Diem là, lui-même, son un team. Qui est tout à fait intéressant. On a profité ça en seconde équipe au moins là. Il a eu Jean depuis une pause, lui-même qui belle et bien connecté ensemble avec nous. Il a eu Jean nous saluons en forme Rudolph. Georges en forme Georges. Nous capable là et Team Le Bon là, le regard Team Le Bon là, son team qui bien vraiment le top pour ça game ça. Gain pour réserve là ou gain la Marcus Aldridge, mais c'est lui-même 7 fois en sort. Deux fois deuxième team dans NBA, hein, All NBA team. Il y a Bradley Beal, deux fois All Star. Et monsieur donc en 2013, il était first time first team All Rookie. Et Bradley Beal fait partie de l'équipe Le Bon. Il y a Anthony Davis. En quelque sorte, Trophy Miss a été raté. Monsieur peut être capable. Et dit, je ne voulais pas quitter Monsieur Allen en équipe Los Angeles 15 ans. Et Monsieur fait partie de l'équipe Le Bon Diem là, qui fait 6 fois All-Star. Et Monsieur lui-même, lui score 52 points en 2017 dans All-Star Game. Vraiment là, mesdames et messieurs. Et puis donc, on a Damien Lila, Monsieur lui-même, qui fait donc 4 fois All-Star. Et Monsieur 2018, Monsieur était donc First Team All NBA.
Et vous avez Ben Simon. Ben Simon, c'est jeune filage sa sexeuse. Mais c'est la première fois qu'on s'est allé là. Et mais c'est lui-même 2018, il sait qui est donc qui a Rookie of the Year pour Ben Simon. Et vous avez Clay Thompson. C'est ça fait dire que Tim Lebon a vraiment le top, mesdames et messieurs. Et vous avez la Clay Thompson. Qui fait 5 fois All-Star et 3 fois NBA champion, Paris Martinez ça avec Golden State Warriors. Et c'est ça. Et c'est ça, bon, les gars. Et bien, quand on est Carl Anthony Towns, monsieur lui-même qui fait 2 fois All-Star, deuxième All-Star là. 2016, monsieur donc qui est NBA Rookie of the Year. Et bien, donc, où gagne D-Way. D-Way. Joueur de Miami Heat et monsieur lui qui était drafté en 2003 avec ensemble avec le bon James Chris Bosh et ça a été fait de trois amigos en dans équipe Miami Heat là ça va permettre à l'équipe Miami Heat lui-même de gagner deux titres back to back qui a été fait quatre finales l'une de l'autre D-Way pour 13e All-Star là pour gagner là et monsieur lui-même qui fait trois fois NBA champion et monsieur qui va gagner pour jouer dernier All-Star game là. Et monsieur lui-même qui fait partie de Team Lebron, mesdames et messieurs. Au cas où là, Team Lebron lui-même, il est vraiment le top, mesdames et messieurs. Et puis donc, l'un à l'autre, c'est ça, en forme, il a eu Jean, bon gardien par nous. Et l'un à l'autre, dans Team Grec, lui-même qui c'est capitaine, qui c'est Gianni Antetokounmpo, 234. Et monsieur lui-même qui avoue 27 points, c'est ça, c'est puis donc. Presque 13 rebonds par match. C'est monsieur qui est capitaine pour l'équipe Milwaukee Bucks. Et puis donc, c'est monsieur tout. C'est ça. C'est monsieur tout là. Vraiment là. Qui va diriger. Et qui fait capitaine. Et Oscar Gimla qui va le bouffer là, mesdames et messieurs. Mouni qui est ensemble avec lui là, c'est Stephen Curry. Stephen Curry, c'est 6 fois Oscar là. Et monsieur là, 2 fois qui a NBA. MVP, Most Valuable Player. Oui, Joel Embiid, Camerounais lui-même, vraiment là, qui deux fois All-Star, et monsieur lui-même qui fait en 2018, qui fait donc deuxième All-NBA team dans NBA, ou qui est Paul George qui a fait une saison époustouflante, mesdames et messieurs, Paul George de Oklahoma City Thunder, c'est sixième All-Star là, et quatre fois, troisième team All-NBA, ou bien Kemba Walker, et monsieur qui fait Joe Charlotte, et monsieur lui-même 3 fois All-Star, et monsieur 2 fois NBA Sportsmanship Winner, et puis réserve là, c'est Blake Griffin qui fait comeback là, 6e All-Star game là, et ou bien Nikola Jokic, et ou bien Kyle Lowry, 5e All-Star là, qui a bien dans l'équipe Toronto, ou bien Chris Middleton, et Joe Milwaukee lui-même, premier All-Star game là. Et monsieur lui-même c'est deuxième score en dans équipe Milwaukee Bucks là bien dernier Antetokounmpo. Et puis donc nous gagnons là Dekonski là et le vieux papy allemand qui fait 14e All-Star là. Et puis donc mis en 2011 monsieur qui était donc MVP final 2011 là côté de l'équipe Miami là vraiment là. C'est ça, Anthony Tawai dans son Dominique, c'est ça, Antonio Diaz, merci bien. C'est ça, mais ça veut mon bon la Kaili, c'est ça. Oui, et nous avons parlé de Dekonski en 2011, il était fait un pile mon Miami crier là. Et voilà, tu as battu l'équipe Miami là, dans le final, et surtout, première année, et trois amigos dans lui-même, surtout les bons James et Chris Bosh et D-Way. Bon, et à tout le cas là, et Dekonski, monsieur lui-même, vraiment là. 14e All-Star là, il y a Victor Oladipo, monsieur lui-même qui était blessé, mais qui est remplacé par Angelo Russell. Il y a Angelo Russell lui-même vraiment là qui a bien pour l'équipe Brooklyn Nets. Il y a Nicolas Vucevic, premier All-Star game là, et monsieur lui-même qui est leading scorer pour l'équipe Orlando Magic là. Et puis donc, il y a Russell Westbrook qui fait 8 fois All-Star. 2017, monsieur donc qui a MVP, et monsieur donc qui fait 2 fois. Un MVP All-Star Game, mesdames et messieurs. Vraiment là, c'est deux équipes ça là qui parlent là pour passer dans NBA côté. Et Team Lebron là, lui-même, l'a regardé là, Team Lebron ça lui-même, il est tout à fait intéressant. Mesdames et messieurs, vraiment là, nous parlons là
nous parlons là pour mettre un bout dans l'édition là, surtout c'est World Star Game qui va tout à fait qui va tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. Bon, en tous les cas là, et c'est comme ça les mêmes labrés pour jouer à compter de 8h, mesdames et messieurs, c'est un rencontre qui va tout à fait intéressant, mesdames et messieurs. N'a prêté vraiment là. Pour nous remercier tous les amis, tout fatigué vraiment qui tapent nous et puis partout. Surtout nous t'es gagné là au début du chaîne Joseph depuis Boston. Et puis donc nous t'es épaulé par maître avocat et journaliste là, maître Raoul Achille. Depuis Gonaïve lui-même, vraiment qui était dans l'espace là. Merci bien. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et nous souhaitons déjà au capable de passer une bonne semaine. Vous êtes arrêté pour vous. Non, l'autre édition. Ciao. À la prochaine. C'était 20 par nos foot boutiques qui t'a servi nous. N'arrête pour vous. Non, l'autre édition. Mais c'est pas donc univers des sports. Mercredi prochain, si bon Dieu, bon nous la vie dans ça qui concerne. Dans ça qui concerne univers des sports. N'a pas remercié tous les amis là, tout fatigué, vraiment. Qui t'a fait nous de près ou de loin. Nous sommes contents vraiment pour nous ensemble avec vous. Nous avons prêté vous dans l'autre édition. Mercredi prochain, si bon Dieu, bah nous, la vie nous va retrouver encore, mesdames et messieurs. C'était Zami Panou Foot Boutique. Si tu as servi nous, allez, bonjour, bonsoir. Et à tout le monde, côté nous, souhaitons vraiment là et bonne semaine. Côté nous va retrouver dans l'autre édition. Ciao! À la prochaine. C'était Zami Panou Foot Boutique. Si tu as servi nous. Allez.